Je vérifie que tout entend. Alors. Bonsoir tout le monde. Je vérifie que vous m'entendez avant de couper la musique et de faire apparaître tout le monde. Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que l'on m'entend? Je laisse le chat le temps de... On entend. Bon, apparemment on entend. Donc, je vais couper la musique, activer le son de par ici et je vais passer en... transition. Nous sommes normalement à l'écran. On va vérifier que tout le monde nous entend et que tout le monde nous voit. Est-ce que c'est loud and clear, comme on dit? Bon et clair, parfait. On me l'a fait directement dans le chat. 5 sur 5, c'est nickel. On est bien. C'est nickel. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Mais comme je ne suis pas chez moi ce soir, je vais laisser à mon hôte les joies de faire les présentations ce soir. Les hommages, bien le bonsoir à tous. Bon, et c'est un peu tôt pour le bonsoir, mais il est 18h, il fait nuit, donc on va se le permettre. Nous accueillons aujourd'hui pour l'épisode 7 de la consulte, c'est bien ça, c'est la 7. Tout à fait. Nous accueillons le professeur Karine Lacombe. Bonjour Madame Lacombe, comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter sommairement? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre travail? Tout ça, comment ça se passe? Oui, tout ça. Donc, je suis professeure de maladies infectieuses à Sorbonne Université. Je dirige le service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine, qui est un des hôpitaux de l'AP-HP dans l'est de Paris. D'accord. Ben, c'est formidable. Hein. Et vous êtes très investi sur le Covid actuellement. Vous travaillez sur le Covid, vous faites des travaux de recherche sur le Covid. Il y a quelque chose autour de ça? Oui. Alors, effectivement, comme infectiologue, je me suis impliquée très tôt dans la gestion de la pandémie. Covid-19, je suis de plus épidémiologiste, parce que j'ai un doctorat en épidémiologie de Sorbonne Université, donc évidemment, assez naturellement, quand on parle d'épidémie, eh bien, on parle aussi d'épidémiologie, et quand c'est une épidémie d'un virus hautement transmissible, eh bien, les infectiologues sont pas mal retrouvés en première ligne, que ce soit pour la compréhension de l'épidémie, mais également pour la gestion des patients. Ce d'autant plus que travaillant à Paris, donc en Ile-de-France, avec le Grand Est, on a été les premiers impactés par l'extension de l'épidémie de Covid-19. Donc, on va dire oui que dès le mois de février, je me suis impliquée jusqu'au cou, on peut le dire, dans la pandémie. Et avant ça, vous faisiez quoi? Parce que avant février, il n'y avait pas de Covid, en fait. Alors, ce que je faisais avant, en fait, l'essentiel de mes travaux de recherche portaient sur le VIH et les hépatites virales chroniques. Ouais. Il y avait une dimension particulière qui concernait l'épidémiologie, l'évaluation des interventions, que ce soit par exemple le diagnostic ou le traitement du VIH ou des hépatites virales, avec un fort focus sur les pays du Sud, en particulier en Asie et en Afrique subsaharienne. Et puis un an et demi avant l'apparition du SARS-CoV-2, j'ai pris la direction du service de maladies infectieuses donc de l'hôpital Saint-Antoine, ce qui implique un gros travail de gestion d'équipe, de management, de ressources humaines, beaucoup de travail. Hein. Et puis bien sûr, toujours l'enseignement évidemment à la fac de médecine de Sorbonne Université. Donc, et voilà, si je ne me trompe pas, vous travaillez avec le professeur Costagliola? Alors, tout à fait. Alors, en fait, je travaille sur le plan de la recherche parce qu'en fait, Dominique Costagliola a longtemps dirigé l'Institut de... Sur les hépatites? Ouais, c'est ça. Donc, l'IPLESP, donc, qui est donc un institut de santé publique et d'épidémiologie Pierre-Louis. Donc, c'est l'école Pierre-Louis de santé publique et d'épidémiologie qui est en fait une unité INSERM. Et donc, je suis dans une des équipes de cette unité INSERM, tout comme Dominique Costagliola, qui a aussi dirigé l'école doctorale dont je fais partie. Parfait. Eh bien, ça vous laisse pas beaucoup de temps, à mon avis, pour le reste. Merci d'être là ce soir, donc. Ça a l'air épais, quand même. Hein. Oh là là. Ça fait beaucoup de travail, mais je pense que toutes les personnes comme moi qui sont impliquées, qui sont profs, qui ont en plus une activité de soins, on a l'habitude de travailler beaucoup, de travailler vite. Hein. Et voilà, je ne suis pas la seule dans ce cas. Hein. Je peux dire que tous ceux qui sont énormément impliqués dans l'épidémie Covid-19 sont des gens qui ont l'habitude de faire plein de choses à la fois. Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Et nous accueillons aussi Tania Louis. Bonjour Tania, comment vas-tu? Bonjour, ça va, tranquillement.
Tranquillement. Bon, c'est pas la première fois que tu viens sur l'émission, oui. Que tu es là à la première saison et c'était formidable. Mais depuis, tu as fait des choses. Est-ce que tu peux te représenter, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu failles et qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait un joli bouquin d'ailleurs. Oui, alors joli, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas d'illustration, donc il est peut-être intéressant, mais il n'est pas joli. Il est là. Abonnez-vous, achetez les bouquins. Avec son petit virus Ebola en peluche. Donc moi, j'ai un doctorat en virologie fondamentale, et c'est un peu pour ça que j'étais intervenue dans la première saison, oui, de la consulte, parce qu'à l'époque, on était beaucoup sur des problématiques de virologie. Et aujourd'hui, j'interviens plutôt comme spectatrice naïve parce que, pour le coup, les questions de médecine et de santé publique, c'est beaucoup moins mon domaine et ça m'interroge beaucoup parce que c'est ça qui est au centre de l'actualité en ce moment. Et depuis la fin de ma thèse, je travaille dans la médiation scientifique. Donc, mon métier, c'est d'expliquer des trucs. Voilà, en gros. La classe. Bah, écoute, c'est parfait. On peut dire aussi que tu as été à l'origine de la création de Kesa Covid, que je viens de partager dans le chat. Donc, si vous suivez Twitter et vous voulez des informations pertinentes sur le Covid, la Covid et toute cette épidémie, vous suivez Kesa Covid. Déjà. Alors là, pour le coup, Kesa Covid n'a pas trop repris depuis le premier confinement, parce que c'est un collectif qui a rassemblé notamment des chercheurs pour centraliser et vulgariser des informations fiables sur la crise sanitaire. Et pendant le premier confinement, les chercheurs avaient arrêté de travailler, ou en tout cas étaient coupés de leur laboratoire, donc ils avaient du temps libre. Là, globalement, ils n'en ont plus du tout. Donc forcément, Kesa Covid est un peu au ralenti, mais il y a encore des personnes motivées, et quand on trouvera le temps et qu'il y aura vraiment des sujets qui méritent d'être traités urgemment, on s'y remettra. Après, le gros changement, c'est aussi que pendant le premier confinement, il n'y avait pas tant de supports vulgarisés francophones vraiment accessible, alors que maintenant il y en a plein, donc on se sent un peu moins obligé de mettre beaucoup d'énergie personnelle là-dedans, parce que ça marche beaucoup mieux en fait. Bon, mais c'est formidable, hein. Très bien. C'est formidable, hein. Mais moi j'ai plein de questions parce que c'est en train Oui, je t'arrête avant que tu commences. La transparence nous oblige à être parfaitement transparent sur ce qui se passe aujourd'hui. J'ai hors caméra, que vous ne voyez pas, une équipe de tournage journalistique actuellement chez moi. Donc, si vous me voyez regarder à droite et à gauche, c'est parce que ou couper ma caméra, c'est parce que je ne suis pas tout seul. Donc voilà, vous savez, je suis actuellement filmé pour la télé. On vous donnera des informations plus tard sur la chose, mais les intervenants sont au courant. Voilà, et pour une question de parfaite transparence, sachez que cette consultation est actuellement filmée par la télévision. Voilà. Voilà, la télévision. National. De type francophone. C'est excellent. Mais moi, j'ai plein de questions. Oui, je peux faire aussi une toute petite remarque. Bah, moi aussi, à côté de ma vie de médecin et de chercheur, j'ai une vie de maman. Et il est 18-20 heures, hein, un dimanche. Donc, en principe, mes enfants sont gérés. Mais si jamais vous voyez de ma télé, c'est qu'il y a un truc à gérer à côté. On a l'habitude. C'est ce qu'on appelle les impondérales. C'est formidable. Tout le monde a été hyper briefé, mais bon, voilà. Mais c'est parfait, hein. J'ai les mêmes, et si je m'échappe, c'est qu'il y a ça aussi. On a encore à l'heure d'éveil, donc méfions-nous. Donc voilà, ceci étant placé, étant nickel, vous êtes au courant, ça peut bouger, c'est comme ça, c'est les alléluia du direct. Ça dure longtemps, donc forcément, ben, on ne peut pas être tout parfait tout le temps. Donc moi, j'ai plein de questions, mais ça va surtout concerner l'actualité vis-à-vis des vaccins. Là, on commence à recevoir des données sur le déploiement de la campagne vaccinale. En France, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Madame Lacombe, sur ce que vous avez, sur comment ça va se déployer, sur ce qu'on en sait un petit peu et ce qui va se passer en fait dans les jours, dans les semaines qui viennent en fait. Ouais. Bon, alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un comité vaccination Covid-19 qui s'est mis en place il y a quelques semaines, qui a commencé à travailler, donc qui est dirigé par le professeur Alain Fischer, qui est immunologiste pédiatre à l'hôpital Necker à Paris, qui est l'une des personnes, je pense, les mieux au fait de l'immunologie et de la vaccination de façon générale. Donc on a vraiment beaucoup de chance qu'un scientifique de cette ampleur-là ait accepté de diriger ce comité, parce que c'est une grosse tâche administrative. Il va falloir faire le lien entre les politiques, l'administration de façon générale, la science, les citoyens. Ça, c'est aussi important parce qu'il faut savoir que en parallèle de ce comité vaccination,
a été mis ou va être mis en place là extrêmement rapidement un comité citoyen pour discuter et débattre de l'implémentation de la politique vaccinale Covid-19 en France. Donc, d'accord, on peut dire que c'est une très bonne nouvelle que la communauté puisse, à côté des scientifiques et des politiques, influencer cette mise en place de la vaccination. D'accord. Et pratiquement, qu'est-ce que ça fait un comité citoyen sur la vaccination ? On sait qu'il y en a existé pour d'autres vaccins, mais là, on va déployer un nouveau vaccin, quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font, en fait, ces citoyens ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Justement, c'est là aussi où la vulgarisation qui va être faite autour de la vaccination Covid-19 va avoir son importance, parce qu'ils vont participer à la construction de cette vulgarisation. Ils vont aussi avoir leur mot à dire sur comment on déploie la vaccination. Et puis surtout, chose qui préoccupe tout le monde, c'est la gestion de l'information autour des effets secondaires. Ouais. Et vous avez dû entendre parler du fait qu'il va y avoir une espèce de monitoring en direct a priori en toute transparence des effets secondaires qui vont être gérés, dont les données vont être collectées par les agences régionales de pharmacovigilance et ensuite collectées au niveau national et être mises à disposition de tout un chacun très rapidement. Donc, une espèce de gestion en temps réel de la pharmacovigilance. Je pense que c'est un énorme effort de transparence. Alors, tout le monde va être là pour surveiller que ça se passe effectivement en toute transparence, et je trouve que c'est une super décision. Oui, je pense que c'est très bien aussi. Mais c'est quelque chose de différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude, par rapport à d'autres vaccins. Il y a quelque chose de spécial. Oui. Enfin, alors, il y a quelque chose de spécial dans le fait que ce soit une gestion, on va dire, quasi en temps réel de la collecte de ces informations. Alors, c'est tout le temps une collecte qui se fait en temps réel, mais la dissémination de l'information sur les résultats de cette collecte ne se fait en général pas en temps réel. On fait en gros un rapport tous les 6 mois ou tous les ans sur la pharmacovigilance d'un nouveau médicament ou d'un nouveau dispositif médical qui est mis sur le marché. Là, ça va vraiment se faire en temps réel. C'est-à-dire que comme on a les données d'épidémiologie de Santé publique France, on aura accès aux données de surveillance des effets secondaires, donc ce qu'on appelle la pharmacovigilance. D'accord. Et aujourd'hui, on sait quels vaccins vont être déployés en France et on sait à quel état d'étude on en est là. Enfin, je me projette, hein, pour l'instant, on n'a pas encore les AMM et tout ça, mais on sait vers quoi on se dirige actuellement ou pas trop ? Disons que le gouvernement, par l'intermédiaire de l'Europe, a passé commande d'un certain nombre de vaccins, en fait, a négocié avec l'industrie pharmaceutique pour avoir accès à un certain nombre de doses de vaccins. A priori, le premier vaccin qui devrait arriver est celui de Pfizer, dont on a beaucoup entendu parler. Là, vous savez, hein, ce vaccin ARN messager en partenariat avec BioNTech. Probablement que le deuxième devrait être peut-être pas Moderna, on ne sait pas trop, ce sera peut-être AstraZeneca. On va voir. Et puis assez rapidement vont arriver les autres derrière, hein, de toutes les autres firmes pharmaceutiques qui se sont investies sur le sujet. Donc là, on porte beaucoup d'attention au Pfizer, parce que c'est a priori lui qui devrait arriver au début du mois de janvier. Mais très rapidement, au bout de quelques semaines, vont arriver les autres. Avec en plus des modalités d'administration qui sont toutes assez différentes. D'accord. En quoi elles sont différentes, ces modalités d'administration ? En fait, par exemple, les deux vaccins avec ARN messager se conservent à très basse température. Alors, en plus, les deux vaccins ne se conservent même pas à la même température. Hein. Le vaccin Pfizer se conserve à moins 70, le vaccin Moderna à moins 20. Et puis ensuite, les autres vaccins, certains se conservent à des températures de réfrigérateur, et puis d'autres qui sont un petit peu plus loin pourraient même arriver à se conserver à température ambiante. Vous voyez que dans le déploiement, alors nous, on est très focalisé sur la France, mais en fait, il faut voir un petit peu plus loin que la France, parce que vous savez que ce qui va être important, c'est de maîtriser l'épidémie au niveau global, et en particulier dans les pays du Sud, où probablement que le Pfizer ou le Moderna vont être très difficiles à implémenter, alors que les autres vaccins qui se conservent à des températures plus classiques seront plus faciles à développer. Mais il va y avoir un véritable effort logistique qui va être mis en place, notamment pour avoir des frigos ultra, ultra vénères là, qui tiennent à moins 80 degrés, enfin moins 70 degrés. Comme on dit, il va falloir que ce soit une délivrance hospitalière ou quelque chose comme ça, enfin initialement.
Alors, quand même, la bonne nouvelle, hein, c'est que, OK, il faut que ces vaccins soient transportés. Alors là, je parle du vaccin de Pfizer, hein, parce que c'est celui qui m'est arrivé en premier. Il faut que le vaccin soit transporté à moins 70. En revanche, une fois qu'il est… Donc, en plus, ce sont des flacons de 5 doses. Ça, je ne sais pas trop si ceux qui nous écoutent sont vraiment au courant. Donc, ce sont des flacons de 5 doses qu'il va falloir reconstituer. Mais une fois que ces flacons sont reconstitués, sont dilués, ils se conservent pendant un certain nombre d'heures à température de réfrigérateur. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps des moins 80 degrés, mais c'est juste pour le stockage à long terme, en fait. Alors, c'est déjà rassurant hein, pour les personnes qui vont recevoir les injections, parce que certains m'ont dit, mais comment on va faire pour s'injecter un produit à moins 80? Donc, non, le produit n'est pas injecté à moins 80, il est reconstitué, il est ensuite conservé au réfrigérateur, et ensuite, les doses peuvent même être transportées à température ambiante pendant un certain temps. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il va y avoir, et ça, on est en train d'y réfléchir hein, sur tout le territoire français. Donc, moi, je connais surtout la situation hospitalière. Par exemple, dans le groupe hospitalier dans lequel je travaille, qui regroupe tous les hôpitaux de l'Est parisien, eh bien, il va y avoir un seul, voire deux lieux de stockage. Ensuite, à partir de là, on va faire partir les demandes de vaccins qui vont partir pour être conservés à température ambiante. Alors, ça demande une logistique importante pour deux raisons. Donc, il y a tout le cheminement hein, du vaccin à moins 70, etc. Mais ensuite, il y a deux paramètres importants. Le premier, c'est que comme c'est des flacons de 5 doses, eh bien, il va falloir vraiment programmer la vaccination pour essayer d'en perdre le moins possible. Alors, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire, parce que par exemple, la vaccination contre la fièvre jaune, parfois, arrive en flacon de 10 doses. Donc, on sait programmer ce type de vaccin, enfin, ce type de processus de vaccination. Et puis ensuite, on ne va pas pouvoir vacciner avec une seule personne avec plusieurs vaccins. Par exemple, on ne peut pas commencer avec un Pfizer et finir par un Moderna. Ou un AstraZeneca, quand on va avoir reçu une dose de Pfizer, il faudra être sûr que 28 jours plus tard, on ait la deuxième dose du même vaccin. Donc ça va demander, il va falloir être très précis dans l'organisation. Ça va être une vraie logistique. Oui, mais vas-y, pose ta question, François. Il y a une question qui est assez pertinente dans le chat là, que je viens de voir passer. C'est est-ce qu'on va pouvoir choisir le vaccin avec lequel on va être c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, en fait. Probablement. Alors, non, on ne va pas pouvoir choisir. D'accord, okay, bon, de toute façon, vous savez que on a déjà depuis quelques semaines hein, les recommandations de vaccination par la Haute Autorité de Santé. Avec des espèces de vagues de vaccination. En gros, on a 4 vagues. La première vague qui va arriver au tout début du mois de janvier, c'est les personnes qui sont dans ce qu'on appelle les unités de soins de longue durée, les USLD et les EHPAD, les maisons de retraite, plus les personnes qui s'occupent de ces personnes âgées et qui ont des facteurs de risque de faire une forme grave de COVID-19. Donc ça va être la première vague. Ensuite, quand ces personnes-là vont être vaccinées, la deuxième vague, ça va être les personnes qui ont plus de 65 ans, celles qui ont des comorbidités et les soignants de plus de 50 ans ou qui ont des comorbidités. Et puis ensuite, il va y avoir une troisième vague et puis une quatrième vague. Donc, la quatrième vague, ça va être les plus jeunes qui ont pas de comorbidités. Et alors, évidemment, les vaccins vont arriver les uns après les autres. Alors, certains vont arriver en même temps et ça va dépendre de l'endroit où on se fait vacciner. Mais on estime qu'en gros, à partir du moment où le vaccin a plus de 50% d'efficacité, eh bien, il devra avoir une autorisation de mise sur le marché. Alors, bien sûr, il va falloir qu'on voit l'intégralité des dossiers de pharmacovigilance et d'efficacité. Mais un vaccin qui a plus de 50% d'efficacité, en général, il est mis sur le marché et puis après, ça va être la combinaison de tous ces vaccins puis des vagues vaccinales. D'accord. Qui va suffire à une couverture vaccinale. Ces ordres de priorité, ils ont été définis. Nous, on avait notion qu'on attendait l'avis de la HAS qui devait tomber demain, a priori. Donc, ça a déjà été acté. Ah, c'est déjà acté hein, depuis toujours.
Non, mais on avait un périmètre, on avait un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'effectivement, en première priorité, les personnes âgées résidant dans l'établissement et les personnels qui sont à risque, et qu'ensuite, on aurait les patients âgés et les professionnels de santé de plus de 50 ans, qui est la vague 2, mais on nous disait qu'il y aurait peut-être un avis de l'HS qui sortirait là prochainement. Mais si c'est déjà en fait, il va y avoir un affinage de ce qui a déjà été publié. Oui, non, mais très probablement. Là, vous voyez, là, c'est de recommandations, et après, il va y avoir un échelonnement avec des dates plus précises. Oui, non, mais ça paraît logique. En fonction de quand on peut penser obtenir l'AMM pour les vaccins. D'accord. Du coup, en gros, si on veut résumer pour répondre à la question du chat, le vaccin qu'on va recevoir va dépendre des vaccins qui seront disponibles au moment où on pourra se faire vacciner, parce que ça ne va pas arriver demain en population générale. Et après, j'imagine qu'on verra en fonction de la pharmacovigilance de chaque vaccin s'il y en a qui sont plus adaptés à certains profils de patients. Alors effectivement, ça c'est une très bonne remarque. Pour l'instant, ce qui manque un peu, c'est l'efficacité par groupe d'âge, par exemple, l'efficacité par type de comorbidité. Quel vaccin est plus efficace chez les personnes qui ont une immunodépression, qui ont un problème de défense immunitaire ? On sait que quand on est âgé ou quand on a un problème de défense immunitaire, on répond moins bien à la vaccination. Oui. En général, hein, ce n'est pas spécifique du tout de la COVID-19, c'est de façon générale. Quand on a une immunodépression, il faut qu'on soit parfois vacciné avec des doses doubles. Quand on a plus de 65 ans, on répond aussi moins bien à la vaccination. Donc, parfois, il faut revacciner. Donc, on va affiner ces résultats, ces données d'efficacité par groupe au fur et à mesure de l'obtention des données sur les essais. Bon, et donc, peut-être qu'effectivement, on dira, les plus de 65 ans, il vaut mieux qu'ils soient vaccinés par ce vaccin que par un autre. D'accord. On va prendre ça au fur et à mesure. OK. Et donc, aujourd'hui, les précautions qu'il y a à prendre vis-à-vis des vaccins, de ce qu'on a lu, les études, moi, ce que j'ai lu de la phase 3, mais très, très, très rapidement, c'est que la phase 3, elle a été étudiée chez les patients qui sont adultes, c'est-à-dire des plus de 16 ans. Donc, on n'a pas de données véritablement chez les jeunes, chez les lycéens, collégiens, on n'en a pas. Ouais, alors oui, mais il y a un essai qui est en cours chez les adolescents. Absolument, aux États-Unis, avec le vaccin de Pfizer. Donc, en fait, si vous voulez avoir des informations sur les essais thérapeutiques qui sont en cours, les essais vaccinaux qui sont en cours, il faut aller voir sur un site qui s'appelle clinicaltrials.gov. Donc peut-être que vous pouvez mettre ça dans le chat. Ouais, je m'en occupe. Ouais, et avec des mots-clés, vous trouvez tous les essais vaccinaux qui sont en cours dans le monde avec les différents vaccins. Donc c'est une ressource hyper importante. Parce que ça permet de dire, vous voyez, quand on dit « ouais, mais on n'a pas de données sur les adolescents », en fait, c'est parce que l'essai est en cours. Oui. Donc, on va les avoir au fur et à mesure. OK, c'est parfait. Donc, on attend d'avoir les données sur les adolescents. Mais là, pour l'instant, on ne sait pas du tout si ça va marcher sur les adolescents. Mais c'est tant mieux en même temps, parce qu'ils ne sont pas du tout public cible. Ils seront en phase loin, très, très loin. Absolument, c'est ça. Oui. Alors, pourquoi ? C'est parce que là, pour l'instant, on cherche d'abord à protéger ceux qui sont le plus à risque de décéder. Dans un premier temps. Logique. Ensuite, on va faire en sorte de vacciner ceux qui sont vraiment en pleine vie active de façon à relancer l'économie. Et ensuite, on va vacciner les personnes les plus jeunes pour complètement couper le pied à l'épidémie, puisqu'on sait que tout un chacun peut transmettre le virus, même si les enfants sont moins transmetteurs que les personnes un peu plus âgées. D'accord. Moins transmetteur, pas transmetteur. Enfin, c'est les données qu'on avait. C'est que ça commence. Il y a un espèce de gradient. En gros, plus ils vieillissent, plus ils peuvent être vecteurs. Ok. J'ai juste. Je me permets, parce qu'on parle de sites et de ressources. Je vais citer le site de Thibaut Fiollet. Dans mon assiette, qui est en train de faire une espèce de tableau interactif où il. Il compile toutes les données d'effets secondaires, de pharmacovigilance et de choses comme ça sur les différents vaccins. C'est par onglet, vous sélectionnez le vaccin, par âge de population, par sexe, par tout ce que vous voulez. Bon, bref, tout est marqué dedans. De toute manière, suivez Thibaut Fiollet, il vous expliquera ça mieux que moi, de toute manière. Et il fait un taf de malade sur ce genre de sujet. Donc voilà, j'ai le mis dans le chat, on le mettra dans la description et puis voilà. Ouais. Je voulais souligner qu'à la faveur de cette pandémie, on a vu émerger quand même une science citoyenne. Moi, je suis assez impressionnée par
le nombre de personnes qui se sont investies en fonction chacun de leur expertise, mais qui ne sont pas forcément des professeurs d'université, des experts reconnus dans un domaine, etc. Mais ce sont des citoyens engagés qui ont une expertise et qui ont utilisé cette expertise pour la mettre au service de la science, de la vulgarisation et de la mise à disposition des informations au plus grand nombre. Et je trouve ça incroyable. Je trouve que voilà, chacun fait un job de dingue. Ben, À l'inverse, moi, je dirais qu'on a beaucoup manqué, entre guillemets, de professeurs qui se sont exposés médiatiquement, justement pour pouvoir occuper le terrain face aux complotistes, et vous en faites partie, et c'est plutôt cool. Et c'est plutôt cool de voir qu'il y a des infectiologues qui se présentent et qui essaient de se défendre et qui sont véritablement universitaires et qui commencent pas aimé à, avoir à votre faire boîte ce travail. Mail. Non, moi non plus. J'aurais pas aimé avoir votre boîte mail, clairement. Et je suis, enfin, on a été désespérés de, enfin, pour ce qui vous est, enfin, vous avez sûrement pris, nous on prend 2-3 petits tacles de temps en temps, mais honnêtement on n'aurait pas aimé être à votre place. Je préfère vous le dire tout de suite. Non, mais c'est courageux, hein. En plus en étant une femme, hein, je suis désolé, mais c'est affreux. Vous avez dû prendre des attaques particulièrement sexistes et immondes. Donc... Voilà. D'ailleurs, on a écrit un article avec deux collègues suisses qui va être publié probablement la semaine prochaine dans le Lancet sur le cyberharcèlement des femmes scientifiques. Donc, je vous en tiendrai informé. Et c'est, ouais, c'est vrai que c'est un gros. Voilà, moi je ne suis pas la seule, hein. On est beaucoup de scientifiques. Qui avons été harcelés, vilipendés, insultés, diffamés, etc. Suite aux prises de position qu'on a pu avoir et aux interventions médiatiques. C'est nouveau, hein, je pense, j'ai pas d'exemple d'autres situations médicales où on ait vécu ce type de comportement. C'est vrai que, mais il y a une montée de toute façon d'une espèce de démagogie médicale, de complotisme médical, ouais. Là qui est en train de monter. Notamment, c'est l'infectiologie qui est souvent ciblée. Enfin, on a eu tous les tenants du Lyme chronique, ça, mais qui sont les tenants de Perron. Mais oui, mais c'était le début, hein. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'il y avait les négationnistes du VIH, les antivax sont un peu dans la même mouvance. Enfin, bref, il y a une. C'est vrai que l'infectiologie est là quand sérologie, mais plus l'infectiologie quand même. Ouais, mais beaucoup l'infectiologie. Mais moi, je te dis, c'est vraiment avec le Lyme chronique, là, où tu as tout un tas, entre guillemets, de citoyens qui sont, entre guillemets, endoctrinés et qui partent à fond et qui viennent t'insulter, qui viennent te harceler. Ça, c'est relativement nouveau. Hein. Les anti-vaccins, à la rigueur, bon, ils sont en groupe, tout ça, mais vraiment, des convertis, là, fanatisés, c'est plutôt nouveau, effectivement. Donc, Après, la situation qu'on vient de vivre, elle joue aussi là-dedans, dans le sens où, quand on se retrouve dans un contexte aussi anxiogène, il y a plein d'espèces de mauvais réflexes qui ressortent. Et quand on se retrouve enfermé chez soi, à passer son temps à chercher des informations et à répondre à des gens sur les réseaux sociaux, la bascule de l'acceptable au harcèlement, elle peut se faire très très vite chez certaines personnes. Quoi. C'est vrai. Et pour revenir à ce qu'on disait là sur... Moi, je trouve ça génial qu'il y ait plein de gens compétents qui bénévolement aient mis des choses en place, mais à la fois, ça reflète le fait que ces choses n'ont pas été mises en place par les instances publiques qui auraient dû s'en occuper. Moi, j'admire très très fort le travail qui est fait sur Covid Tracker, par exemple, mais je trouve ça fou qu'il y ait eu besoin qu'une personne seule chez elle se mette à faire ça pour qu'on ait des données aussi facilement accessibles aux citoyens. Ils sont deux, non ? Au départ, c'était Guillaume Rosier. Ouais. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement maintenant. Mais voilà, je trouve que le fait qu'il y ait besoin que des citoyens s'emparent de ce genre de choses, ça dénote aussi un certain dysfonctionnement, qui est un manque d'investissement dans la culture scientifique et dans la diffusion des informations scientifiques de façon générale depuis des années. Hein. Ce n'est pas des problèmes nouveaux. Mais finalement, c'est aussi pour ça qu'il y a des experts qui se retrouvent nommément exposés. C'est parce que les sociétés savantes, etc., qui devraient en fait... servir à protéger les personnes, parce que ce n'est pas des personnes qui devraient être exposées, n'ont pas fait ce travail-là, pour plein de raisons. Mais au final, on aboutit à des situations où ça repose sur des citoyens ou des experts qui s'exposent individuellement. Le Conseil de l'Ordre, on vous embrasse. Oui. Ouais, mais même pas sans aller jusque-là. Tu vois, moi, je ne suis pas médecin et j'ai quand même été confrontée à ce problème-là. Hein. Mais de manière générale, il y a aussi, je vais revenir là-dessus, et c'est la première fois que j'ai une universitaire
à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a eu assez peu de prise de position de la part des universitaires face à des comportements qui ont été dégueulasses de la part de professeurs et tout ça. Enfin, je sais bien qu'il y a un devoir de réserve et tout ça, effectivement. Donc moi, je vais le dire, mais le CNU aurait pu prendre position quand même sur des déclarations qui étaient au-delà du raisonnable et tout ça. Ils auraient pu se positionner, l'Ordre des médecins aurait pu se positionner, les sociétés savantes, on aurait pu attendre des positionnements beaucoup plus âpres et beaucoup plus prononcés d'emblée. C'est quelque chose, vraiment, on s'est rendu compte que on était vraiment en slip, en fait. C'est-à-dire que quand on est médecin et qu'on se positionne, on a des institutions qui ne sont pas capables de nous protéger, véritablement. C'est vrai qu'en médecine, peut-être plus que dans notre milieu, je ne sais pas, on a l'habitude de laver, comme on dit, notre linge sale en famille. Voilà. Probablement qu'on a vu avec la pandémie qu'on traverse là la limite de ces habitudes. On y réfléchit beaucoup au sein de la SPILF, qui est la Société de pathologie infectieuse de langue française, qui s'est quand même portée, qui a quand même été la première institution à porter plainte contre Didier Raoult. Mais oui. Il faut quand même reconnaître ça. Oui. Après, c'est compliqué. Moi, je me suis beaucoup. Je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif de la consultation d'aujourd'hui, mais je me suis bien sûr beaucoup renseignée sur comment fonctionnent les plaintes pour diffamation. En France, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce qu'il y a une protection extrêmement élevée de la liberté d'expression. Peut-être que dans n'importe quel autre pays au monde. Et pour être reconnu le discours de quelqu'un est un discours diffamatoire, c'est très, très, très compliqué. C'est très, très lent, oui. Et de la même manière, pour le harcèlement, quand on est sur des furieux, ça se passe, mais les procédures pour signaler, pour faire intervenir les OPJ, tout ça, pour faire intervenir Pharos, c'est très, très long. Exactement. C'est très, très long et c'est très compliqué de faire aboutir ce genre de procédure. Et puis surtout, on n'a pas tellement envie non plus d'être confronté à des harceleurs ou des gens qui menacent de cramer votre maison. Oui. Je suis bien placé pour le savoir, mais c'est extrêmement compliqué. Et j'imagine à peine dans votre position ce que ça a dû être, quoi. D'ailleurs, j'ai une question qui était probablement une insulte, mais à laquelle il me paraît important de répondre. C'était, vu tout le travail que vous avez, qu'est-ce que vous faites sur les plateaux de télé, véritablement ? Je sais que c'est une provocation, mais… il faut savoir que, comment fonctionne un hospital universitaire. On passe la moitié de notre temps à l'hôpital. Et la moitié de notre temps à faire de la recherche et de l'enseignement. Parce que souvent, c'est aussi un métier qui n'est pas très connu, professeur des universités, praticien hospitalier. Exactement. Donc, dans le travail qu'on fait à l'hôpital, on peut avoir, par exemple, la gestion de départements comme je fais moi avec le service de maladies infectieuses. On a aussi de la consultation. On s'occupe également des patients hospitalisés et puis on participe à la gestion de l'hôpital. Donc ça, c'est sur la moitié de notre temps de travail. Et l'autre moitié de notre temps de travail, c'est un temps de travail dévolu à l'université. Donc, on fait de la recherche et on fait de l'enseignement. Et il faut savoir, tout le monde le sait, en fait, que pendant la première vague en particulier, on a eu l'arrêt de l'enseignement. Et ensuite, il a repris en distanciel, de façon complètement aménagée. Et donc, en fait, ce temps que je passais à faire de l'enseignement, moi, je fais beaucoup de gestion, en fait, d'enseignement, puisque je coordonne, par exemple, le diplôme de maladie infectieuse en Île-de-France. Donc, je fais beaucoup de gestion des études et tout. Temps-là, en fait, n'était plus occupé, puisque tout s'est arrêté dans les universités pendant un certain temps. Et ensuite, on est tombé sur les vacances. Et puis après, quand ça a repris en septembre, ça a repris de façon aménagée. Donc, tout ce temps que je passais à faire de l'enseignement, de la gestion d'enseignement, je l'ai passé en fait à faire également de l'enseignement, mais plutôt de la vulgarisation de maladies infectieuses sur ce qui était les meilleurs médias pour faire passer l'information, c'est-à-dire la télévision, la radio et dans une autre mesure la presse écrite. Tout à fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas, moi je serais dans l'autre sens, est-ce que vous ne pensez pas que dans les missions qui sont
poser à un professeur universitaire, à quelqu'un comme vous, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas cette nécessité de faire de l'information grand public, notamment sur les grandes causes sur lesquelles on parle, c'est d'être présent sur ces médias, justement pour ne pas laisser la place à des gens qui ont des intérêts qui sont autres, c'est-à-dire vendre un bouquin, essayer de gagner un peu de fame et tout ça. Est-ce que, quand on est professeur universitaire, est-ce qu'on n'a pas aussi cette mission fondamentale d'information du grand public qui soit indépendante et qui ne soit pas soumise à la publication d'un bouquin ou d'intérêt personnel? Je me pose vraiment cette question et je trouve que c'est très, très bien ce que vous avez fait. C'est dans le code de la recherche. Et dans le code de santé publique, je crois. Dans le code de la recherche française, il y a un article qui dit noir sur blanc que dans les missions des chercheurs, il y a la diffusion d'informations auprès du grand public et notamment des jeunes. Absolument. Et d'ailleurs, vous savez, quand on est évalué sur le plan de la recherche, parce que quand on fait partie d'une unité de recherche, on est évalué dans ce qu'on appelle un plan quadriennal, c'est-à-dire tous les 4 ans, l'unité de recherche à laquelle on appartient est évaluée. Et dans l'évaluation des chercheurs de chaque unité de recherche, figure un chapitre très complet sur ce que l'on a fait en termes de vulgarisation scientifique. Oui. Et donc, on doit lister toutes les interventions qu'on a fait dans les médias généralistes, écrits, internet, audiovisuel, etc. Donc Tania, tu as tout à fait raison, ça fait partie de nos missions. Exactement. Après, le problème, c'est la façon dont c'est vraiment reconnu dans les carrières. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait sur le temps de travail ou qui est fait sur son temps personnel en plus du travail, ce qui a quand même été beaucoup le cas, notamment pour les médecins qui étaient très occupés au printemps. Mais voilà, à la base, ça fait partie du travail des chercheurs. Nous, on le voit, Jérémy et moi, on a tous les deux une chaîne de vulgarisation. Honnêtement, moi, si j'avais expliqué que c'était une plus-value pour mon service que je fasse de la vulgarisation, on m'aurait regardé à l'hôpital en disant « Mais pourquoi vous faites des vidéos sur YouTube, quoi ?» Mais moi, on m'a dit, quand j'avais ce projet, j'étais interne à l'époque. Moi aussi, j'étais interne. On m'a dit, c'est ridicule et grotesque. J'ai adoré. Non, mais bon, voilà. J'espère que ça a changé maintenant. On comprend l'importance d'utiliser les médias et en particulier les nouveaux médias. Mais dans votre spécialité, je pense que c'est quelque chose qui est devenu vraiment prégnant, c'est-à-dire c'est devenu très important parce que vous avez été attaqué comme jamais. Dans d'autres spécialités, je pense que c'est encore un peu compliqué. Moi, j'attends encore de voir des professeurs, des bons professeurs de cardio se positionner sur les statines et venir en prendre plein la poire sur les plateaux télé. Ou dire qu'il faut que les insuffisances cardiaques se vacciner contre la grippe et en prendre plein la poire toute la journée. Mais ça, je l'attends. Parce que c'est vraiment, à mon avis, c'est là notre rôle aussi. Enfin, quand on est dans ces missions de vulgarisation, et notamment quand on est universitaire, c'est aussi de venir défendre le consensus auprès de la population. Et justement, pas laisser tous les gros stupides venir expliquer n'importe quoi et profiter de l'absence médiatique de ces gens-là. Mais je pense que vous savez, c'est vraiment une question de génération, parce qu'il faut quand même se rappeler que, par exemple, les gens de ma génération, on a fait 50 ans cette année, on n'a pas grandi avec Internet. C'est vrai. Et j'en parlais justement ce week-end avec mes enfants et je les ai bien fait rire parce que je leur ai raconté la première fois que je me suis connectée à Internet et au mail et j'avais 23 ans. Mais vous imaginez, ça, c'est une époque où on se dit, mais c'est dingue, quoi, comme tout va vite. Donc nous, la génération 50 et plus, qui est quand même celle dont vous parlez, qui est la génération des professeurs, en gros, n'ont pas grandi avec Internet. Donc, ils n'ont pas saisi cet important de s'exprimer dans les médias et en particulier les réseaux sociaux. Je vois la génération en dessous de la mienne, les 30-40, dont certains que vous avez invités à la consulte, et en particulier tout l'ensemble des jeunes infectiologues, eux ont grandi avec Internet et ils sont imprégnés de ça. Et ce sont ceux qui s'engagent le plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube et tout, on les voit partout, ils sont aussi dans la castagne, ils sont là, beaucoup plus présents que ma génération et celle d'au-dessus. Parce qu'ils comprennent que ça peut avoir une influence et que ça impacte directement notre taf. C'est terrible. Plus il y a de désinformation et plus le taf il est chiant. J'ai pas hâte, si vous voulez, de recommencer le taf quand les vaccins seront disponibles, parce qu'on va nous demander notre avis tout le temps et ça va être des consultes qui vont être longues, très très longues. Donc voilà. Et sur lesquelles il faudra être informé pour ne pas leur raconter notamment n'importe quoi. Mais après, il y a la vulga, ce n'est pas non plus que Internet. Je le vois passer, il n'y a pas que Internet, mais c'est quand même important. C'est un des endroits où les gens vont quand même pêcher leur information le plus souvent. Ça et la télé pour les personnes les plus âgées.
Oui, c'est vrai que quand même les médias traditionnels, hein, que ce soit la presse écrite ou les médias télévisuels, alors je mets un peu de côté les chaînes d'information continue et je mets encore de côté CNews, hein, qui est à mon avis complètement à part dans le paysage. Il y a quand même beaucoup plus de régulation dans les médias traditionnels et en particulier, il y a eu beaucoup de journalistes scientifiques, dont pour certains journaux qui ont été embauchés exprès pour gérer la pandémie. Et je peux dire quand même, dans les médias traditionnels, il y a eu plus de place pour le débat. Pour le débat sur ben voilà, les controverses, le pour et le contre. En gros, c'était quand même plus discipliné, plus instructif au final. Et c'est vraiment sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas vu ce... On a beaucoup, beaucoup moins vu ce débat et beaucoup plus de batailles, on va dire, et de controverses et de polémiques populistes. Tout à fait. Tout à fait. Après, on va peut-être revenir sur sujet de base, parce que là, on a digressé. C'est super intéressant. Je suis fan. Et d'ailleurs, de pouvoir en discuter avec des PUPA, je trouve ça fameux. Mais oui, c'est super bien, parce que discuter... Ah, ouais. Je crois que le premier PUPA... Non, le deuxième PUPH qu'on reçoit. Et il y avait celui qui faisait de la médecine de guerre. Il était PU, je crois. Ah, il était PEUF. Je sais pas. Ouais, je crois. Mais oui. Enfin, si un jour on m'avait dit que à la consulte on aurait un PUPH de maladies infectieuses parisiennes, j'aurais fait non. Mais donc je suis très content que ça arrive. Ah non, parce que c'est ça fameux. Nous, ça nous fait plaisir parce que. On n'a pas toujours été on va pas se mentir, on n'est pas toujours très gentil avec certains PUPH. Et donc, ça fait plaisir aussi qu'il y ait une émulation qui se fasse comme ça, que ce soit pas que à sens unique et prouver que bah, on peut quand même faire des choses, quoi. Alors moi, j'ai trois questions que je voulais poser, comme ça au moins je pourrais en noter d'autres pour plus tard. Ouais. Alors la première, c'est... Il y a différents vaccins, mais est-ce que ces vaccins jouent sur différentes cibles? C'est juste pour expliquer que globalement, la question c'était ça, c'est il y a différents vaccins, mais est-ce qu'ils vont, ils s'intéressent à des choses différentes sur le virus et donc est-ce qu'ils sont tous aussi efficaces? C'est juste pour revenir globalement sur le fait que bon, bah, pour générer une réaction immunitaire, là vous m'arrêtez, mesdames, bah, globalement il faut choisir le truc qui va générer le plus facilement une réaction immunitaire et que ok, tous les vaccins ne sont pas ciblés sur exactement la même chose, mais ça va globalement dans le même sens parce que c'est les choses les plus importantes qui reviennent en général. Peut-être que vous avez un mot à dire là-dessus. Bah pour désolé, je ne sais pas si on entend, j'ai été rejointe par un chat qui ronronne extrêmement non, fort, non, c'est pour pas, ça t'inquiète. Que je coupe mon micro. En gros, pour que la réaction immunitaire, la mémoire immunitaire induite par le vaccin soit utile, il faut que les anticorps et les cellules immunitaires mémoire puissent reconnaître quelque chose qui est à la surface du virus. Oui. Parce que quand le virus entre dans l'organisme, il faut que la réponse immunitaire se fasse sur quelque chose qui est accessible. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on cible en général les protéines de surface, c'est que finalement, c'est celles-là qui sont exposées dans l'organisme. Oui. Et en plus, comme elles servent de clé pour rentrer dans les serrures, elles évoluent en général relativement peu. Il y a au moins des zones qui sont conservées dessus, et ça fait que les vaccins peuvent rester efficaces, et que l'immunité acquise peut rester efficace, même si le virus change un peu. Ce qui revient au fait qu'il ne faut pas s'inquiéter si le virus mute. Si le virus mute suffisamment pour faire changer ces protéines de surface qui sont indispensables au fonctionnement du virus, soit le virus disparaît, soit elle ne mute pas suffisamment pour que ça modifie le comportement global du virus. Donc, de toute manière, c'est des zones qui sont extrêmement conservées à travers l'évolution même du virus. Quand un virus mute, bon, voilà, c'est un mardi, quoi. Mais, non, puis, après, les coronas, c'est des virus qui sont quand même relativement stables, hein, sur le plan génétique. Alors, c'est marrant parce qu'on a certaines équipes, plutôt du sud de la France, qui n'arrêtent pas de nous dire que le virus mute, ah là là, mon Dieu, c'est vachement grave. Et tous les gens qu'on a reçus dans cette émission nous ont dit oh, « ça va, c'est les coronavirus, ils ne mutent pas trop ». J'adore, c'est qu'on a un éventail de... Enfin, une opposition complète sur ces informations-là, quoi. C'est assez... Et une régularité dans les gens qu'on invite qui nous disent exactement la même chose à chaque fois. Après, par contre, je ne sais pas pour le coup s'il y a des vaccins qui ont été développés qui ciblent autre chose que la protéine spike. Ça, non. J'en sais rien. Non, pas ma connaissance. Non, tous les vaccins sont plutôt justement dirigés contre la protéine spike parce qu'elle est très immunogène. Ça paraît logique. Comme tu as dit, Tania, elle est très conservée, quoi. Il y a peu de...
il y a peu de risque qu'elle mute. Alors après, il faut quand même savoir que il y a des mutations qui ont été identifiées in vitro, c'est-à-dire dans les tubes à essai, en gros, hein, dans des milieux de culture, et qui pourraient induire une résistance à la vaccination. Mais ça, c'est ce que l'on fait in vitro en challengeant énormément le virus pour le pousser à muter, ce qu'on appelle de la mutagenèse induite. Et ouais. Le fait de faire ce travail in vitro, bah, ça permet de comprendre quelles mutations pourraient entraîner une résistance à la vaccination et ensuite de les surveiller en population générale puisqu'on fait ce qu'on appelle de l'épidémiologie, de la surveillance virologique. Et on va voir justement si ce type de virus muté apparaît. D'accord. Et alors justement, quand ça peut apparaître par exemple, donc on ne sait pas, hein, pour l'instant ces mutations ne sont pas apparues de novo. Après, elles peuvent apparaître sous pression de sélection de l'hôte. Donc l'hôte, c'est nous. C'est-à-dire que les défenses immunitaires qu'on développe contre le virus vont faire que, en appuyant, donc en essayant d'écraser le virus, eh bien, peut-être que le virus, à un moment, il va muter pour essayer d'échapper à ses défenses immunitaires. Il peut aussi muter pour échapper à un traitement. Et par exemple, on l'a vu, avec des antiviraux, hein, comme le remdesivir, eh bien, certains virus sont devenus résistants au remdesivir. Et d'ailleurs, le remdesivir a ce qu'on appelle une barrière génétique qui est assez basse. Et donc, ce n'est pas si difficile que ça pour le virus d'échapper au remdesivir. Donc, vous voyez, il y a plein de façons différentes que le virus a de muter. Mais par exemple, les mutations au traitement, pour l'instant, ça ne confère pas de résistance à la vaccination. Ça n'a rien à voir. Oui. Ça ne touche pas les mêmes enzymes, les mêmes protéines. Les mêmes mécanismes. Et là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a comme vaccins qui ont été développés, sur lesquels on a des données, hein. Je ne vais pas parler des vaccins chinois et russes sur lesquels on sait quasiment rien. Qu'est-ce qui a été développé? En gros, il y a les vaccins ARN, ça on en a beaucoup parlé, c'est les premiers qui vont sortir et qui se conservent au frais. Et il y en a d'autres, a priori, il y a des vaccins inactivés, des virus inactivés, tout ça. Où il y a d'autres. Là, pour l'instant, on a que trois vaccins pour lesquels on a des résultats de phase 3. Alors, et en plus, on les a. On a des phases 3. Donc, on les sait, hein, on le sait, hein, c'est le vaccin de Pfizer, le vaccin Moderna et le vaccin d'AstraZeneca. Ensuite, les autres vaccins, on a des résultats de phase 1 et 2. D'accord. Et donc, pas encore les phases 3, mais qui vont arriver fin décembre, en courant du mois de janvier. Donc, en fait, ça va arriver petit à petit. Et pour le coup, celui d'AstraZeneca, c'est ni un ARN messager, ni un virus inactivé, c'est un vecteur viral. C'est-à-dire l'idée, c'est d'utiliser un virus qui est théoriquement pas dangereux, qui a été modifié pour pas être dangereux, lui coller des bouts de coronavirus dessus. Comme ça, on utilise la capacité de ce virus à rentrer dans l'organisme sans rendre malade pour faire présenter des morceaux de coronavirus au système immunitaire. C'est malin, ça. Et c'est une approche qui est très, très utilisée en vaccination. Ouais. Le vaccin sur lequel travaille Pasteur est basé sur cette approche-là aussi. Tous les vaccins qu'on a contre Ebola, qui ont été développés ces dernières années, sont basés sur des vecteurs viraux. Voilà, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus en vaccination. D'accord. Par exemple, le vaccin dont vient de parler Tania, le vaccin de Pasteur, il utilise le virus de la rougeole. Alors évidemment, ce n'est pas un virus qui peut donner la rougeole. Hein, oui, bien sûr, il est vide, c'est une enveloppe. Et voilà. Mais c'est assez intéressant, c'est une super technique de vaccination. Mais ça met plus de temps en fait, à être développé avec un nouveau virus que la technique des ARN messagers. C'est pour ça que les ARN messagers arrivent déjà sur le marché. Et on a Pauline qui nous dit Il y en a d'autres en phase 3 dont on devrait avoir les résultats bientôt. Un protéique, par exemple. Je pense qu'elle prêche pour sa paroisse un petit peu. Possible. C'est possible. Alors, dans les questions que j'avais, une question importante, c'est comment on pourra suivre les données de pharmacovigilance? Bon, je pense que là, il faudra suivre les communications de la NSM, en fait. La pharmacovigilance, ça va se faire. Vous pouvez pas... Après, c'est à chaque professionnel de santé de faire remonter les effets secondaires. Donc, il faut bien sûr que les patients ramènent, enfin, pas les patients, parce que les gens ne sont pas malades, pardon, les vaccinés fassent remonter l'information sur les effets secondaires qu'ils ont éprouvés. Et puis ensuite, les professionnels de santé les font remonter. C'est une espèce de chaîne d'échelle, quoi. Et après, les rapports de pharmacovigilance se font au niveau régional. Et puis ensuite, c'est complètement compacté au niveau national.
Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai vu passer qui était relativement intéressant. C'était sur le phase 3 de Pfizer, parce que je me suis mangé le bordel. Il y a le groupe placebo qui présentait énormément, mais énormément d'effets secondaires. Un groupe placebo, oui, je vous explique, c'est-à-dire qu'on injecte de l'eau salée dans le bras, il ne se passe rien, c'est-à-dire c'est des gens, voilà, et on va juste regarder leur évolution. Et on a vu que dans ce groupe placebo, un peu comme dans le groupe vacciné, évidemment, il y avait énormément d'effets secondaires. Moi, j'ai vu un patient sur 10 qui présentait de la diarrhée, un sur 3 qui présentait des douleurs au bras, de la fièvre, des choses comme ça. C'était un truc de fou. Ils n'avaient pas un vecteur de méningitech et un truc comme ça sur un des groupes? C'est dans l'AstraZeneca. C'est dans l'AstraZeneca, autant pour moi. C'est dans l'AstraZeneca. Moi, j'ai vu que le Pfizer... C'est un vaccin contre les méningocoques, qui était le contrôle. Oui. Pour avoir une réaction inflammatoire locale, pour pas modifier ce qui est logique. Mais c'est quand même fou. Est-ce que c'était attendu d'avoir un tel effet nocebo, ne serait-ce que juste en envisageant la vaccination? Effet nocebo, je précise, c'est des effets secondaires induits, mais qui ne sont pas liés à ce qu'on vous, à ce qu'on vous injecte. Hein. C'est l'inverse, si vous voulez, du placebo. D'ailleurs, placebo, c'est un peu impropre. Hein, on parlera plutôt de groupe témoin. Mais dans l'idée, voilà, c'est... Il y a cet effet négatif en fait lié à la vaccination, à tout le fantasme, toute la psychologie autour de la vaccination, qui m'a l'air d'être surdimensionné par rapport à ce vaccin pour le Covid. C'est quelque chose que vous voyez ça habituellement, ou c'est quelque chose qui est surexprimé actuellement? Moi, je pense que c'est surexprimé actuellement. De toute façon, tout un chacun a dans la vie de tous les jours, indépendamment de n'importe quel traitement ou de n'importe quel vaccin, des moments où il a un peu mal, où il peut avoir un petit épisode de diarrhée, etc. Et dans le cadre d'un essai thérapeutique de cette importance-là, on recommande aux personnes vaccinées de rapporter le moindre petit problème de santé. Et vous allez avoir mal aux dents un jour, le lendemain vous n'avez plus mal aux dents, vous n'allez pas en parler à votre médecin. Et si vous êtes inclus dans un essai thérapeutique, si vous avez mal aux dents, vous allez le dire à l'investigateur de l'essai. Donc, vous voyez, c'est tout le déclaratif, quoi. Le fantasme, exactement, c'est du déclaratif. En plus, il y a tout le fantasme autour de l'utilisation de ce nouveau vaccin. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les personnes vaccinées ont été encore plus poussées à ramener le moindre petit signe qui pouvait passer pour un effet secondaire. C'est pour ça qu'on en a beaucoup dans le groupe placebo. Et d'ailleurs, il y a certains confrères qui ont commencé à dire on n'a jamais vu autant d'effets secondaires avec ce vaccin, etc. Mais quand on regarde les effets secondaires qui ont été rapportés avec le placebo, on se rend compte qu'il y en a aussi beaucoup. Donc, comme vous dites, c'est... Je vais faire un petit truc parce que vous ne pouvez pas le faire, hein, et vous ne le pensez pas du tout. Hein, mais Eric Combe, vous êtes un pignouf. Il faut arrêter de vous exprimer n'importe comment. Voilà. Donc, vous pouvez reprendre, excusez-moi. Et pour revenir sur les effets secondaires, alors j'ai pas suivi, mais j'ai vu passer l'information comme quoi ils ont, justement, je crois que c'est le professeur Combe qui disait ça, que en Angleterre ils avaient déjà eu des notifications d'allergies. Bon, des allergies, ça va, hein, il y a eu deux cas d'allergies. Chez les patients qui étaient polyallergiques et super... C'est ça. Là, les cas anglais, c'est des personnes qui étaient hyper allergiques, du type avoir toujours une seringue sur elle au cas où elle passe un choc anaphylactique, etc. Et du coup, c'est des profils de personnes qui, normalement, ne sont pas incluses dans les essais cliniques vaccinaux, précisément parce qu'on sait qu'elles peuvent surréagir au vaccin. Parce qu'en fait, le principe des allergies, c'est que notre corps surréagit à un truc qui ne devrait pas le faire réagir. Notre système immunitaire, en gros, pour le vulgariser vraiment, il est au taquet, il saute surtout quand il ne faudrait pas. Donc forcément, si on lui présente un vaccin qui est censé le stimuler un peu, sur un profil allergique où le système immunitaire est déjà trop réactif, ça peut mal se passer. Mais ça, a priori, ce n'est pas du tout spécifique à ce vaccin-là. Moi, ce qui m'intrigue plutôt, c'est que justement, ces deux personnes qui sont professionnelles de santé, qui se savaient hyper allergiques avec un profil a priori plutôt incompatible, surtout avec ce type de vaccination qui implique une bonne réaction immunitaire dès le départ, soit aller se faire vacciner maintenant au tout début de la campagne. C'est plutôt ça que je trouve étrange, en fait. Est-ce que tu ne peux pas le voir dans l'autre sens? C'est-à-dire qu'il y a un danger imminent et une possibilité d'un risque allergique, et de se dire, moi, si j'étais un peu allergique, je l'attendrais quand même. Je me dirais,
pire, j'ai l'anapène, au pire, je fais une petite cure de cortico avant et on fait en sorte que ça se passe le mieux possible, mais je le tenterai, enfin, à titre personnel, parce que je me dirais, le risque, il est quand même là. Après, ouais, est-ce que ça vaut le coup d'être monté en épingle en mode, oh là là, ça fait très peur, il y a des effets secondaires allergiques? Je ne suis pas sûr. Voilà, c'est une vision populiste de l'information scientifique, en fait, où chaque petit événement est monté en épingle pour alerter, faire peur, etc. Bah, c'est-à-dire que là, il lui a fallu 2 secondes. Je crois que c'est le professeur Combe, hein, qui a dit ça. Qui disait, ils ont commencé, les Anglais, ils ont déjà eu des cas d'allergie. Bah, il lui faut 5 secondes pour dire un truc comme ça. Alors, si ce n'est pas lui, vous me corrigerez, mais bon, globalement, il y a quelqu'un qui l'a dit à la télé, voilà. Il lui faut 5 secondes pour dire ça. Bah, nous, il a fallu expliquer que bon, bah, c'est des gens très allergiques, il y en a 2, c'est des contextes particuliers, d'habitude, on ne les inclut pas dans la recherche. Enfin, bref, c'est-à-dire que voilà, expliquer le truc, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Et sur un plateau de télé, on ne va pas être là avec son téléphone. Alors, attendez, je vérifie l'info. Voilà, c'est la recherche de l'audience à tout prix. Ouais, c'est ça. Mais je ne vois pas l'intérêt. Enfin, ça sape complètement notre travail. Enfin, Après, on peut aussi le voir dans l'autre sens. Le fait que dès le début de la campagne, il y ait eu des cas problématiques et qu'ils aient été remontés et médiatisés, oui, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'essayer de nous cacher des effets secondaires. Oui, mais ça, les gens, ils ne comprennent pas. Enfin, c'est le même principe qu'avec pourquoi une étude du Lancet est retirée. Bah, ça prouve que le système fonctionne, mais ça, enfin, c'est compliqué, quoi. Enfin, il faut avoir confiance dans le système pour comprendre qu'il fonctionne, en fait. Et comme on est dans une crise de confiance, bah, ça rend toujours les choses... ceux qui ont confiance ont confiance, et ceux qui sont en défiance voient ça comme un problème de... Après, c'est circulaire. Hein. Si tu n'as pas confiance, et donc à chaque fois que tu fais un truc, soit tu déclares, soit si tu surdéclares, soit tu sous-déclares, ça crée une crise de confiance. À un moment donné, tu ne fais plus rien. Donc là, l'objectif, c'est d'être le plus transparent possible. Et oui, il y aura des cas. Oui, on sait qu'il y aura des réactions allergiques. On sait qu'il y aura des morts. Je vous le dis tout de suite, hein, il y aura probablement des gens qui feront des complications graves et qui vont peut-être décéder. Mais à l'échelle de ce qui meurt actuellement du Covid, c'est peanuts. Enfin, rappeler que aucun acte vaccinal n'est exempt d'effets secondaires. Hein. On a des effets secondaires avec tous les vaccins. Par exemple, le vaccin de la fièvre jaune, qui est un vaccin vivant atténué, et ben on sait qu'il donne de la fièvre. On sait qu'on peut faire des encéphalites post-vaccinales, et dont on peut garder des séquelles, etc. Et c'est pas pour, ça qu'on ne vaccine pas contre la fièvre jaune quand on doit aller dans un endroit où on a un risque de fièvre jaune. Parce que pour revenir à la COVID-19, c'est vraiment une histoire de balance entre le bénéfice et le risque. Le bénéfice évidemment de se faire vacciner et le risque des effets secondaires. Évidemment. Le bénéfice de se faire vacciner est beaucoup, beaucoup plus important que le risque de faire des effets secondaires. Tout à fait. Mais c'est la base. Aux États-Unis, là, ils sont en train de déclarer 3200 décès par jour. S'il y a, entre guillemets, 10 décès, et c'est beaucoup, hein, 10 décès liés à la vaccination aux États-Unis. Même pas par jour, hein, peut-être. Dans l'année. 10 décès dans l'année, dans l'année au global, si vous voulez. S'il y a 10 décès, déjà c'est beaucoup, mais bon, s'il y a 10 décès, c'est quoi? C'est une demi-heure de Covid plein pot, quoi. Vous rendez compte quand même le délire. J'ai vu plusieurs infographies comme ça. J'avais vu ça, c'était aux États-Unis, quelqu'un qui rappelait que sur le temps de la vaccination, enfin de la campagne de vaccination, il y aura 1000 personnes qui vont mourir d'un infarctus du myocarde, il y en a, enfin d'une maladie cardiovasculaire, il y en a 3 qui vont être diagnostiqués autistes, il y en a 12 qui vont avoir ceci, qui vont avoir cela, on va découvrir 8 cèpes, et donc il faut... sclérose en plaques, merci. Et faudrait afficher ces chiffres, et voilà, c'est-à-dire que par jour, on doit, enfin, ou sur une période de temps, on doit trouver ces chiffres-là, et donc il faudrait trouver une variation de ces chiffres-là pour observer quelque chose d'anormal, en fait. Et c'est là qu'on commence à parler de choses un petit peu compliquées, de chercher les erreurs dans le bruit de fond, quoi, et c'est très compliqué. C'est ça, et de toute façon, il faudra des données long cours et tout ça. Après, mais je pense que c'est peut-être important juste de re-insister un coup là-dessus, parce que bon, moi j'essaye d'éviter soigneusement le sujet des vaccins pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que mon avis personnel n'a aucun intérêt, dans la mesure où je ne suis pas une agence sanitaire qui délivre des autorisations de mise sur le marché. J'ai une opinion, mais globalement on s'en fiche.
Et accessoirement, vu les réactions violentes que ça suscite, je n'ai pas envie d'aborder le sujet et de gérer ces réactions violentes. Mais il n'empêche que, juste en parlant du fonctionnement des vaccins ARN messagers sur le plan purement théorique, j'ai régulièrement des gens qui viennent me dire « Oui, mais on ne peut pas être sûr que ce vaccin est sûr à 100%. » Et c'est vraiment un commentaire qui revient tout le temps. Donc je pense que ça vaut la peine de souligner avec des gros sabots que, de toute façon, aucun acte médical n'est sûr à 100% et aucun acte dans votre vie n'est sûr à 100%. Je faisais la comparaison, par exemple, parce qu'on parle de balance bénéfice-risque en médecine, mais en fait, la balance bénéfice-risque, c'est un concept qu'on applique tout le temps dans notre vie. Quand on prend notre voiture pour aller dans la ville qui est à 50 km de chez nous, ben on prend un gros risque. Il y a des accidents de voiture, en plus, ça a un coût financier et environnemental de prendre sa voiture, mais ça a aussi un super bénéfice parce qu'on peut se déplacer rapidement en étant à l'abri, en pouvant porter du poids et d'autres personnes avec nous, et on décide d'y aller en voiture plutôt qu'à pied parce que la balance bénéfice-risque est en faveur de la voiture. Bien sûr. Les actes médicaux et la vaccination, c'est exactement pareil. Il y a toujours un coût, il y a toujours un risque. Le travail des agences sanitaires, c'est de dire est-ce que le bénéfice est supérieur ? Et si le bénéfice est supérieur, on y va. Donc, aucun vaccin ne sera sûr à 100%. Ça ne sert à rien de demander des preuves de la fiabilité des vaccins et de l'absence d'effets secondaires. Juste pour une fois, on a tendance à l'oublier pour la plupart des vaccins obligatoires en France parce que les maladies ont disparu. Et là, la maladie, on l'a sous les yeux, quoi. Donc, a priori, c'est facile de peser le pour et le contre et de voir ce qui se passe quand on ne se fait pas vacciner. Et un truc qui revient, alors Tania, mais et c'est un truc qu'on voit assez passer souvent, c'est pourquoi faire des campagnes de vaccination pour quelque chose qui tue 0,05% de la population et en plus c'est que des vieux qui meurent quoi. La médiane de décès elle est à, alors je sais plus, je crois elle est à 80 ou 79, ouais, quelque chose comme ça. 80. Alors en plus on nous donne des chiffres faux, on dit oui, ils sont tous plus de 85 ans ceux qui meurent, mais c'est pas une raison. Oui, même si c'était vrai, c'est pas une raison. Non mais même si c'était vrai, c'est pas une raison, c'est-à-dire qu'il y a quand même la moitié qui sont moins que ça et puis je veux dire si on peut l'éviter, bah on l'évite. Non mais ça voilà. Par exemple, c'est clairement que les gens ne savent pas non plus que ça représente une médiane. C'est quand même 50% des gens qui décèdent ont moins de 82 ans. Et il y a aussi la variance hein, qui est vraiment tout l'étalage entre 82 et plus et 82 et moins. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 10 ans d'âge. Voilà, donc c'est tout. La courbe, elle est. Alors, je ne peux pas faire de schéma là, mais. Courbe, elle est. Je vais essayer de le faire sur un petit papier. On voit bien que l'épidémie, c'est pas non plus que des morts, hein, c'est aussi des séquelles. Oui. Certains ont des séquelles lourdes. C'est aussi une perte économique très importante parce que certaines personnes restent, justement, heureusement, parce qu'on a une médecine développée, eh bien, la majorité des personnes ne meurent pas de la COVID-19, mais elles peuvent rester longtemps hospitalisées, éventuellement en réanimation, elles peuvent en garder des séquelles. Et on connaît tout l'impact maintenant, enfin, on commence à connaître l'impact des Covid longs. Et ça, quand on dit que la moyenne d'âge des gens qui meurent à 82 ans, on ne prend pas en compte toutes ces dimensions-là. Ben ça, plus la saturation du système hospitalier qui fait qu'il y a du retard sur la prise en charge de plein d'autres soins, les mesures sanitaires qui font apparaître des problèmes psychologiques, des dépressions, des choses comme ça. Là, on parlait récemment des suicides chez les étudiants. Enfin, voilà, il y a plein d'effets secondaires, entre guillemets, de la crise sanitaire. Qui font qu'on ne peut pas du tout la réduire à son taux de létalité. C'est ça. C'est la réduction plus simple. Et ce dont tu parlais, Tania, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la solution parfaite, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas de solution si elle n'est pas 100% efficace et 0% d'effet secondaire. Vous n'aurez jamais ça. Vous n'aurez jamais ça, jamais, nulle part. Même quand on fait des examens qui vous paraissent simples, comme une courroux ou quelque chose comme ça, on n'a pas 100% de succès et on n'a pas 0% de décès. C'est comme ça. Donc, à chaque fois, on pose les choses, on discute et on voit ensemble. Donc, après, il faut partir avec des données objectives, c'est-à-dire avec des vraies données et pas de la désinformation et savoir ce qu'on fait en fonction de ça. Après, nous, on avait beaucoup de questions sur... Enfin, moi, j'en ai reçu beaucoup suite à l'émission sur les vaccins. D'ailleurs, pas merci, hein, les gens qui ont commenté. Méchamment. Gentiment. Oui, il y en a qui ont commenté très gentiment, mais la moitié était comme vénère. J'ai eu beaucoup de réponses qui disaient « Moi, personne ne m'obligera à me faire vacciner. » Ça tombe très bien. Personne ne va vous obliger à vous vacciner. Personne. Voilà.
Nulle part. Il n'y aura pas assez de doses, probablement. Donc, si vous voulez être en dernier, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous tombez malade, en plus, on est tellement sympa qu'on vous soignera. Quand même. On devrait le faire, oui. Mais effectivement, par contre, j'en parlais un petit peu, j'en avais parlé sur Twitter. Par contre, si vous ne voulez pas vous vacciner, ça va restreindre quand même votre capacité d'action. C'est-à-dire qu'on est confiné justement parce qu'on est à risque d'attraper le Covid. Mais dans un monde où la vaccination va devenir, entre guillemets, essentielle pour pouvoir redémarrer toute activité quelle qu'elle soit, notamment dans les fédérations sportives, les clubs de sport et tout ça, ça va vous confiner à une vie un peu désagréable. C'est-à-dire que tout ça, vous n'y aurez pas accès, malheureusement, si vous n'êtes pas vacciné. Donc, vous pouvez l'envisager, mais ça va être assez monacal, à mon avis, comme façon de vivre. À moins que tout le monde soit vacciné autour de vous et que vous profitiez du parapluie global. Mais bon, c'est un peu... Cavalier. Il va falloir attendre longtemps quand même. Hein, pour que tout le monde soit couvert. Alors, moi, j'ai... un peu égoïste, mais bon, c'est pas grave à la rigueur. J'ai eu une des dernières questions que j'avais notées, et comme ça, on pourra passer sur d'autres choses. Et c'est une question qui est assez pertinente. Si un vaccin montre une efficacité supérieure aux autres, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment de données sur ça, est-ce qu'il sera favorisé par rapport à tous les autres? C'est ça, c'est une question qui est assez... Est-ce que votre avis, parce que là, en fait, on ne fait que supposer, on n'a pas de... Il n'y a pas de plan derrière le plan, tout ça, mais... Franchement, alors c'est vrai que c'est une question intéressante. J'avoue qu'on n'a pas encore discuté de ça. En tout cas, moi, je n'en ai pas discuté avec d'autres collègues, avec d'autres scientifiques. Donc, c'est vraiment une réponse qui m'est tout à fait personnelle, que je construis en vous parlant. On sait qu'à partir du moment où le vaccin a plus de 50% d'efficacité, il sera sur le marché. Donc après, est-ce qu'on ne gardera que des vaccins à 90% et on ne prendra pas les vaccins à 70%, par exemple? Je ne pense pas, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, 70% d'immunité, c'est très important. Ça fait partie des meilleurs vaccins qu'on a actuellement sur le marché. Ensuite, on a besoin d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de doses, des centaines et des centaines de millions de doses. Donc, si possible, dans un laps de temps court, parce qu'on n'a pas envie de mettre 5 ans à vacciner toutes les personnes qui doivent être vaccinées. Et puis, un quart de la population est vaccinée avec un vaccin qui a 90% d'efficacité, l'autre 80%, l'autre 70%, de façon globale, la couverture vaccinale sera quand même excellente. Donc, voilà, je pense. Après, comme je vous dis, c'est une opinion personnelle. Oui. Après, ça soulève une question secondaire que j'ai vu des articles qui commençaient à la traiter et qui est intéressante, c'est que les premiers vaccins étaient testés contre placebo. Mais une fois qu'on commence à avoir des vaccins efficaces, ça va aussi changer l'organisation des essais cliniques, des vaccins qui ne sont pas encore en phase 3, parce que clairement, ce sera plus éthique de les tester contre placebo. Il faudra les tester contre les vaccins déjà mis sur le marché et déjà validés. Oui. Et on va se retrouver dans des situations qui paraissent paradoxales a priori, où on va sans doute autoriser des vaccins qui auront fait moins bien que les choses auxquelles on les a comparées en essais cliniques, parce qu'on les aura comparées à des vaccins. Donc là, les premiers, notamment ceux de Pfizer, qui ont l'air d'avoir des très très bons résultats, où en fait, quand on va comparer les autres, on trouvera sans doute une efficacité moins bonne, mais qui sera quand même largement suffisante pour justifier l'emploi du vaccin. Donc ça, il faut s'y préparer un peu, parce que ça va générer des réactions un peu surprises, je pense. Oui. Non, c'est rigolo. Ça, on voit un petit peu ce qu'il en est. Moi, je voulais vous poser une question qui a moins à voir avec la vaccination que le reste. Vous avez parlé, j'ai vu plusieurs de vos interventions parler d'une troisième vague, considérant qu'elle serait inéluctable sans la mise en place de la vaccination et avec le relâchement des mesures sanitaires. Comment vous étayez ça? Simplement par la dynamique habituelle des épidémies. Une épidémie qui n'est pas saisonnière, qui a besoin pour se transmettre comme celle des virus respiratoires de contact entre les gens, quand on met le couvercle, la dynamique de l'épidémie baisse, et quand on soulève le couvercle, ça reprend. Parce que justement, même quand on a mis le couvercle, il y a sous le couvercle des infections qui continuent de se passer. Donc, le virus circule moins vite, mais il circule, il continue quand même de circuler. Donc, quand on met le couvercle assez tôt, c'est-à-dire qu'il y a peu de virus qui circule, on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de transmission. Encore faut-il que le couvercle soit bien hermétique. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est à l'occasion de la première vague. Mais nous, en France, on n'a pas mis le couvercle de façon assez forte, assez tôt.
Et on n'a pas non plus pu mettre en place de mesures de dépistage, traçage, isolement qui soient assez efficaces. On n'a pas la culture. Auxquelles on peut revenir, voilà. Oui, culture, politique, etc. Donc voilà, la dynamique d'épidémie, c'est ça. Là, on a mis le couvercle, là, mais on voit bien qu'on ne l'a quand même pas mis de façon aussi hermétique que lors de la première vague. Donc, on continue d'avoir du virus qui circule. Et d'ailleurs, on n'est pas fait à 5 000 contaminations par jour. C'est pour ça d'ailleurs qu'on laisse des mesures en place. Et là, tout ce qu'on essaie de faire, c'est essayer surtout de contrôler la dynamique actuelle, le taux de transmission actuel, pour que le système de soins ne soit pas débordé et qu'on puisse continuer à avoir les activités telles qu'on les a maintenant en attendant que la vaccination soit efficace. Donc, vous considérez que c'est parce qu'on n'a pas eu un confinement assez hermétique qu'on se retrouve à Noël avec une situation qui est insuffisamment contrôlée. Oui, mais ça semble logique, mais c'est mieux en le disant. Donc, voilà. Donc, je vais en profiter pour renvoyer vers la vidéo de Thibaut Fiolet, encore une fois lui, qui a montré quelles étaient les différentes stratégies de confinement et de contrôle des épidémies en Océanie, en Asie, tout ça. Et vous pourrez voir que nous sommes très, très, très gentils. Qu'on est très très loin de scanner à l'arrivée d'un magasin, sur téléphone, tout le monde doit avoir l'application, on doit badger dès qu'on rentre dans n'importe quelle structure, au centre commercial, n'importe où, pour pouvoir tracer activement toutes les personnes en permanence, qu'il y ait des amendes contre la désinformation à hauteur de, je ne sais plus, c'est quoi ça, Singapour ? C'est 100 000 $. Ils sont raides, hein. 100 000 $ d'amende si on diffuse une fausse information. Je peux vous dire que des mecs comme Sylvano Trotta, ils seraient sur la paille à l'heure actuelle. Hein. Après, sans rentrer dans les différences de modèles de société, parce que là, on est sur des modèles de société très différents. Oui, j'ai pas dit qu'il fallait faire juste ça. Mais la façon dont la France est en train de gérer les fêtes de fin d'année et la façon dont l'Allemagne, qui a une situation épidémique pas si différente de la nôtre, si ce n'est qu'eux, ils sont à un plateau sans avoir eu le pic avant, en gros. Hein. Ils reconfinent, je crois, non? Et eux, ils confinent tout. Ils ferment les écoles une semaine plus tôt pour qu'il n'y ait pas de contamination chez les enfants avant les vacances de Noël. Ils referment tous les commerces non essentiels, etc. Alors que nous, même si ce sera moins relâché que prévu à partir du 15, on est globalement en train de faire l'inverse. On voit bien que les arbitrages, que c'est vraiment un arbitrage entre les mesures sanitaires et les mesures économiques, et que la bataille doit faire rage tout en haut, là. Parce que on a essayé de maintenir l'activité économique, c'était l'objectif, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas confiner à fond, on voulait qu'il continue d'avoir une activité économique. Le corollaire, c'est que on a un contrôle épidémique qui est plus faible, et du coup à Noël, c'est compliqué. Et l'acceptation du fait qu'il y ait les fêtes, si je comprends bien, c'est juste parce que ce serait inacceptable pour la population, si j'entends, c'est juste ça. Ça, on est en plein, on a un plein monde d'injonctions contradictoires. C'est ça. Donc après, quand on a des interventions de tous les politiques qui disent « je ne comprends pas, mais pourquoi on laisse les trucs ouverts, et ça c'est fermé, et ça c'est ouvert, et ça c'est fermé », c'est juste qu'on est en train de juguler avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le discours sanitaire qui prédomine, hein, et on ne peut pas vivre que dans le sanitaire. C'est que y a des trucs qu'il faut maintenir l'activité économique, et il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas transiger. Et Noël, ça paraît chaud en France de transiger avec, surtout avec, je suis désolé, hein, mais sur l'ambiance médiatique qui règne, d'une espèce de suspicion ambiante et de tout ça. Enfin, moi, je n'ai pas vu une journée où je n'ai pas entendu un reportage pour dire « Regardez les pauvres petits commerces qui en chient et les pauvres gens de la culture qui en chient. » C'est sûr qu'ils en chient, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'ai très peu entendu de reportages, par contre, qui expliquaient que dans les services d'infectiologie, on en chiait et que ce n'était pas cool. Donc, il y a un choix éditorial. C'est clairement, il y a un choix éditorial. Et ce choix éditorial n'est pas en faveur de la politique sanitaire. Il est en faveur du maintien de la culture et d'une activité économique. Quoi. Donc, voilà. Enfin, on ne peut pas nier que très probablement, certaines franges de la population, typiquement les étudiants, une certaine frange de la population relativement jeune, sont actuellement dans une certaine souffrance. Mais ça dénote
aussi, en fait, ça démasque des problèmes. Cette crise, elle démasque beaucoup de problèmes. Elle démasque des crises de confiance, elle démasque pas mal de problèmes. Bah, forcément, hein, dès qu'on pousse le système dans ses retranchements, bah, on observe sa résilience. Et là, on observe une certaine, un certain mal-être chez une population, disons, relativement jeune, probablement étudiante, du fait de son isolement, de sa précarité, de pas mal de choses. Et ça doit nous poser des questions et ça doit nous faire réagir sur la suite, quoi. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut interdire Noël ? Bah, au Québec, ils le font. Bah, en fait, oui, au Québec, mais... ils ont dit restez chacun dans vos foyers, pas de regroupement ouais, familial. Au Québec, ils sont obligés de faire, ils sont obligés de faire 2000 km pour aller voir la famille. Donc... pour avoir discuté avec des collègues au Québec, quand il neige chez eux, il y a 2 mètres de neige devant la porte, quoi. Donc, ils ont l'habitude d'avoir une semaine où ils passent chez eux parce que la déneigeuse, elle n'est pas passée dans la rue, quoi. Y a pas en ça, gros, mais... de toute façon, il n'y a pas de bonne solution. C'est forcément des compromis. Mmh. Je pense que, oui, on pourrait interdire Noël, ça aurait des conséquences négatives. La décision qui a été prise n'a pas été celle-là, ça aura d'autres conséquences négatives. Voilà, c'est tout, hein. On peut se satisfaire de la situation ou pas, chaque choix aurait eu des conséquences négatives. Là, les conséquences négatives, ce sera les conséquences sanitaires, avec un probable rebond en janvier qui sera plus ou moins fort selon ce que les gens font à Noël et selon si les gens vont à un réveillon du jour de l'an en étant potentiellement asymptomatiques mais déjà contagieux une semaine après Noël. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Ah ouais, ça va être bon ça. Parce que comme il y a une semaine entre les deux, c'est à peu près le délai pour être déjà contagieux, mais pas encore symptomatique. Et on sait bien que les réveillons du jour de l'an, c'est beaucoup plus festif, on est debout, on se déplace, etc. Donc là, on c'est risque vrai que d'avoir la séquence un double est parfaite. Effet. La séquence est parfaite. Voilà, on risque d'avoir un double effet. Et j'ai pas hâte d'être autour du 15 et du 20 janvier et de voir ce que ça va donner. Et clairement, bah, là j'en profite, en plus il y a Karine Lacombe qui est avec nous. J'ai une grosse pensée pour les personnels hospitaliers qui vont se retrouver à gérer la situation concrètement. Pour tout vous dire, on pensait déjà là pouvoir fermer une partie de nos lits qui sont dévolus à la Covid. Et en fait, parce que le taux de contamination reste assez soutenu, eh bien, on n'a pas pu fermer les lits. Donc, on a gardé exactement le même nombre de lits et on est assez inquiet, ouais, sur le, moi au niveau local, mais de façon plus générale dans le système hospitalier pour le mois de janvier. À partir d'entre le 15 janvier et le 15 février, on est assez inquiet. On va voir. Mais écoutez, ouais, on va voir, hein, parce que c'est vrai qu'il y a ce petit delta aussi. Hein, 15 jours après la contamination, on a les pics en réa, donc c'est vrai que ça va être un petit peu plus tard, effectivement. Ouais. Et en plus, on est dans une situation qui est un peu différente de mars-avril, c'est qu'il va faire froid, donc les gens vont être confinés dans le même endroit, et la circulation du virus va se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement. Ouais. Donc... c'est pas Jojo ce qui s'annonce. Hein. On aurait bien envie que les vaccins soient là déjà, mais c'est pas le cas. Mais ça, c'est un truc important à rappeler, c'est qu'on parle beaucoup de vaccins et ça prend beaucoup de place dans l'espace médiatique parce que bah, c'est un sujet important. Mais il ne faut pas avoir l'impression que mi-janvier, le problème sera réglé grâce à la vaccination. Quoi. C'est vraiment pas du tout le cas. Non. Mais on peut quand même noter que l'année dernière, à peu près à cette période de l'année, des gens ont commencé à se poser des questions sur une espèce de pneumopathie atypique du côté de la Chine. On est un an plus tard, on a eu une épidémie qui a touché la planète entière et on a déjà des solutions vaccinales. Et en fait, c'est-à-dire que au milieu de tout ça, il y a quand même des gens qui ont réussi à faire des choses à une vitesse assez incroyable. Et c'est quelque chose qu'il faut noter, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même assez fou. Enfin, assez fou, non, parce qu'ils l'ont fait, donc ce n'est pas complètement fou. Impressionnant. C'est impressionnant, quoi. Absolument. Non, mais on a de la chance aussi, il ne faut pas se mentir. Et pas une solution, plusieurs solutions. Non, mais on a quand même du cul. Enfin, c'est un coronavirus, c'est quelque chose... Oui, ce n'est pas Ebola, oui. Non, la protéine Spike, elle est connue depuis des années. On a du cul là-dessus. C'est pas un truc qui extrait des novos, de machin. Et on a un travail des scientifiques qui est phénoménal autour de ça. Mais on a de la chance. Si ça avait été un truc un peu plus exotique ou moins connu ou moins machin, on serait sur une dynamique qui serait probablement un peu différente. Ou si on n'avait pas répondu bien au vaccin,
Voilà, on a beaucoup de chance dans notre malheur, on va dire, et c'est quand même tant mieux. Moi, j'ai une question qui revient, mais en permanence, sur les trucs qui m'ont été posés suite à la vidéo avec Pauline. Je suis désolé, Pauline, hein, j'en ai pris plein la gueule, mais les gens sont gentils, la moitié sont gentils, l'autre moitié, bof. Mmh. Mais la moitié sont gentils. Est-ce que ça ne va pas un peu trop vite, tout ça? Parce que tout le monde m'a posé cette question, mais en mode, c'est une démonstration, c'est, ça va trop vite, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'on a quand même tout le temps été derrière le virus. Hein. Le virus est toujours allé beaucoup plus vite que nous. Alors, je ne pense pas qu'on va trop vite, non. On a, il faut quand même reconnaître les choses. Hein. On a mis quand même du temps. Là, vous parliez des pneumopathies à germes atypiques qui ont commencé à émerger en octobre, novembre, décembre en Asie, voire même en France, hein, pour certaines qui ont été diagnostiquées a posteriori. On a été derrière, hein, quand ça a commencé vraiment à émerger en janvier, février, on n'avait même pas idée qu'on avait déjà un nombre important de personnes qui avaient été contaminées. Et quand ça a explosé au début du mois de mars, on attendait, et malgré tout, on a été débordés. Donc non, on a été plutôt toujours derrière. Donc si pour une fois, avec les vaccins, on est allé vite, déjà, c'est ça, Tania, pour mieux en parler que moi, c'est que la technologie d'ARN messager était déjà connue, ça fait plus de 10 ans qu'elle est développée, donc c'est un outil qu'on a mis au service de la vaccination, et c'est pas un outil qu'on a imaginé pour la vaccination. Ça veut aussi dire que la communauté scientifique qui travaille sur la vaccination s'est mobilisée comme jamais pour un agent infectieux. D'accord. Et y compris toute la partie administrative, en fait. Oui. Parce que ce qui a été accéléré dans le processus de vaccin, bon, il y a la première phase incompressible de mise au point technique de la chose qu'on va utiliser dans le vaccin. Mais ensuite, sur toutes les étapes d'essais cliniques, il y a aussi beaucoup d'administratifs pour surveiller comment ça se passe, pour donner des autorisations, etc. Et en fait, c'est une grosse part du temps que met normalement le développement d'un vaccin. Et tout le temps qui pouvait être gagné là-dessus a été gagné. Oui. Plutôt là-dessus que sur l'organisation même des essais, où justement, là, le but, c'était aussi de faire attention, parce qu'on savait que les vaccins allaient être utilisés à des énormes échelles et qu'il était hors de question de le laisser passer quelque chose de problématique. Et ce qui me fait un peu rigoler dans cette affaire, c'est que pour le vaccin, on va trop vite. Par contre, pour d'autres traitements, là, il fallait aller très très vite. De toute manière, on n'avait pas le choix, il fallait aller vite tout de suite et il faut bien tenter quelque chose. J'aimerais comprendre que les gens m'expliquent à un moment... Je veux dire, pourquoi ? C'est la même logique que le complotisme. C'est l'État nous dit qu'il n'y a pas de masque, donc on n'est pas content qu'il n'y ait pas de masque. Puis l'État nous dit qu'il faut mettre des masques, donc on n'est pas content qu'il y ait des masques. Donc l'État ne veut pas qu'on prescrive des médicaments, ben on n'est pas content de ne pas avoir les médicaments prescrits. Et on fait des trucs pour la liberté de prescription et tout ça. Et dès qu'on a un vaccin et qu'on dit on va quand même envisager une campagne de vaccination, tout le monde est contre. C'est le paradoxe. Ouais, c'est ce que je disais sur Twitter, il aurait presque fallu avoir, presque fallu dire on n'a que 100 000 doses, on le file qu'aux élites et ce sera 10 000 euros, de toute manière vous ne pouvez pas vous le payer, laissez mijoter le truc pendant 2 semaines et dire non mais finalement on en file à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Pour que les gens aient envie, ils en aient envie qu'on le leur donne. Quoi. Ce sera un problème éthique, mais moi je sens qu'il y aura probablement des pénuries d'approvisionnement ou des problèmes à ce niveau-là et ça risque d'être une dinguerie en fait, parce que les gens là, ils vont dire ouais mais là il les fout tout de suite, là, vu qu'on ne les a pas, il me les faut maintenant. Et malheureusement, il y aura cet effet, ce qu'on appelle un effet de rareté, c'est-à-dire, c'est comme les PlayStation 5, hein. S'il n'y en a pas, vous en voulez une. Après, que la défiance vaccinale, alors je ne la minimise pas du tout, hein, mais je pense qu'elle est extrêmement amplifiée par les médias, en particulier ceux qui veulent faire le plus d'audience, hein, et que ce n'est pas tant 52% de défiance vaccinale ou de gens qui sont contre la vaccination auxquels on a affaire, c'est parmi ces 52% une très large majorité qui veut avoir de l'information. Et je pense que ça, c'est bien, c'est normal de vouloir de l'information avec un nouveau traitement, un nouveau vaccin. Mais à partir du moment où on mettra à disposition toute cette information, je suis persuadée qu'une grande partie de la défiance vaccinale va tomber. Oui, et puis surtout quand on verra que la campagne de vaccination se passe sans heure particulière, ça va être comme un pied dans l'eau. Quoi. Après, le fait juste d'avoir des firmes pharmaceutiques qui ont transmis des données par communiqué de presse avant de vraiment publier leurs résultats,
je pense que ça joue aussi là-dedans. Ça fait des mois qu'on explique aux gens que la science prend un certain temps et qu'il ne faut pas se fier à chaque communiqué de presse. Et puis là, les premières données qui sortent sur les vaccins sont des communiqués de presse. Évidemment, ça appelle à la méfiance. Après, il faut être dans une méfiance raisonnable et quand les données arrivent, les regarder avec honnêteté intellectuelle et se faire un avis objectif sur les données. Ce qui n'est pas évident. Hein. Moi, je les ai ouverts aussi, les rapports de Pfizer à la FDA. J'ai un doctorat en virologie moléculaire et je suis loin de tout comprendre. Hein. Donc, ça implique c'est quand même... C'est épais. Oui, mais en fait, un dossier comme ça n'est pas censé être de la vulgarisation. Non, c'est ça. C'est pas vulgarisé du tout. Non. Donc, je suis assez rassurée, moi, sur le fait qu'il y ait un comité citoyen qui soit mis en place en France, parce que c'est quelque chose que le Conseil scientifique réclame depuis le début, à peu près, de la crise sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le Conseil scientifique sans avoir lu les rapports du Conseil scientifique, je pense, alors qu'ils sont tous publics, accessibles sur Internet et relativement vulgarisés. Absolument, très. Ça vaut le coup d'aller les lire. Donc, je pense que ce comité citoyen-là va être important aussi pour l'aspect pédagogie. C'est-à-dire que c'est normal que les gens soient inquiets, c'est normal que les gens aient des questions. Bah, plus on aura d'éléments de réponse, plus il faut se débrouiller pour que ces éléments de réponse soient accessibles. Tout à fait. Non, mais c'est exactement. Dans le conseil scientifique, moi, je n'ai pas trouvé qu'ils aient fait du mauvais taf. Hein, mais non, véritablement, moi non plus. C'est tout ce que j'ai vu du conseil scientifique, ça paraissait pondéré. Après, forcément, entre ce qui relève du politique et tout ça, il n'y a pas tout ce qu'a dit le conseil scientifique a été appliqué, mais concrètement, ça reste pertinent. Non, mais ils sont assez lucides dans leur rapport. Hein. En général, ils disent, pour avoir telle situation, il faudrait faire ça. On pense qu'en pratique, vous allez plutôt faire ça. Du coup, ça va donner tel autre résultat. Voilà. Ouais, souvent, ils proposent plusieurs pistes en disant, l'idéal, ce serait ça. Mais bon, on sait bien que... Voilà. C'est ça. Il prend en compte quand même l'acceptabilité de tout ça. Mais en vrai, lorsque la campagne de vaccination elle va se déclencher, comment est-ce que, enfin, en tant que professeur, comment est-ce que vous allez défendre cette vaccination? Comment est-ce que au cabinet, comment il va falloir qu'on débrouille tout ça et comment vous allez lutter contre les discours défiants ou machin? Parce que moi, j'en ai déjà vu arriver hein, des gens comme ça. Comment est-ce que vous allez vous battre face à ça? Déjà, il faut qu'on ait des choses très concrètes sur comment la vaccination va être déployée sur le territoire national. Ouais. Quand on saura quel vaccin, quand les indications de vaccination, le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe seront vraiment figées, et qu'on saura tout le processus de délivrance des vaccins, d'administration, qui va faire et où. Donc, en gros, quand la campagne vaccinale sera lancée, il va quand même être beaucoup plus facile de communiquer avec des éléments aussi concrets. Un peu comme on communique déjà actuellement sur plus les techniques, la technologie vaccinale. Là, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de communication sur l'ARN messager, que ce soit de façon formelle par les scientifiques, mais également de façon un peu moins formelle avec toutes les informations de vulgarisation qui ont été mises à disposition sur Internet. Moi, il me semble déjà que les interrogations sur l'ARN messager, par exemple, ont reçu beaucoup de réponses et il me semble que c'est moins le problème maintenant. Le problème maintenant, le grand questionnement maintenant, ce sont les effets secondaires. Et puis, ce dont on a commencé à parler, c'est quand est-ce qu'on va avoir les vaccins, lesquels vaccins, comment on va les délivrer, etc. D'accord. J'ai cette question qui revient en permanence, les effets secondaires à long terme, c'est-à-dire est-ce qu'on attend des effets secondaires à très long terme avec cette technologie plus qu'avec une autre, enfin avec l'ARN messager puisque c'est relativement nouveau, mais est-ce qu'on attend plus d'effets secondaires, des trucs un peu différents? Il faut quand même comprendre que l'ARN messager, qui est une structure protéique en fait à la base, hein, va disparaître, il ne reste pas, hein. Disparaît au bout de 10 jours. Donc, il n'y aura plus cet ARN messager qui porte la carte d'identité du virus. Il va disparaître. Donc, ce qui va rester dans le corps humain, c'est uniquement les anticorps qui ont été fabriqués pour répondre à l'antigène viral. Enfin, pas à l'antigène viral, que c'est un ARN messager, mais les anticorps qui ont été fabriqués suite à l'instruction qui a été donnée par l'ARN messager. Et justement, ces anticorps-là qui font partie de notre corps à nous, hein, c'est nous qui les fabriquons, eh bien, on voudrait qu'ils persistent le plus longtemps possible. Et l'ARN messager lui-même, il disparaît. Il ne reste pas du tout. Ce n'est pas du tout du matériel génétique qui s'intègre à l'intérieur du noyau. D'accord. Oui, ça, c'est le truc qui revient souvent. On me dit, mais ce n'est pas un vaccin, c'est de la thérapie génique. Non,
Pas du tout. Le principe de la thérapie génique, c'est d'amener des gènes qui sont dysfonctionnels chez le patient pour qu'ils y restent. Donc là, on utilise des techniques qui peuvent aussi reposer sur des vecteurs viraux qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui consistent à amener de l'ADN, qui est une molécule qui ressemble mais qui n'est pas la même que l'ARN, qui va rentrer dans le noyau et s'installer là. Et de fait, ce n'est pas quelque chose qu'on sait très bien faire aujourd'hui. Hein. Les thérapies géniques, c'est globalement un sujet d'étude plutôt qu'une thérapeutique établie encore aujourd'hui. Et en l'occurrence, le professeur Fischer connaît très bien ce domaine. Et les ARN messagers, ce sont des molécules transitoires. De base, dans nos cellules, elles ont une durée de vie qui se compte en heures. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va rester à long terme, qui reste dans le cytoplasme, c'est-à-dire dans un endroit qui est différent de celui où se trouve notre ADN. Et on n'a pas dans nos cellules la machinerie pour fabriquer de l'ADN à partir d'ARN. On a des copies de ça qui sont des éléments mobiles, etc., qui sont éteints dans nos cellules, donc ce n'est pas un processus qui se passe. Et même dans le pire des cas, si on imaginait que le phénomène hautement improbable d'intégration dans l'ADN de la cellule se passe, c'est l'intégration dans une cellule d'un organisme. On n'est pas sûr, d'un coup, tout l'ADN de toutes vos cellules va être modifié avec une mutation que vous allez transmettre à votre descendance. Hein. D'accord. Qui exprime cet antigène vaccinal vont être ciblés par le système immunitaire et vont vraisemblablement être détruites. Donc voilà, on est vraiment en fait sur exactement le même principe que tous les vaccins. C'est on injecte quelque chose qui a une durée de vie courte dans l'organisme. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse immunitaire à long terme. On ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas d'effet long terme parce que déclencher une réponse immunitaire un peu forte, ce qui est le principe de la vaccination pour qu'il y ait une mémoire, ça peut avoir des conséquences à long terme. Mais cette technologie-là n'a pas de raison d'en créer plus que les autres. Et de toute façon, pour savoir s'il y a des effets secondaires à long terme, il faudra qu'il y ait eu une utilisation à long terme. Donc, pour l'instant, on ne peut pas savoir. D'accord. On ne peut pas demander d'avoir 5 ans de recul sur une maladie qui a 1 an. C'est impossible. C'est, à un moment ou à un autre, on le dit à tous les lives, je crois, en ce moment. Et accessoirement, on parle des conséquences à long terme des vaccins, dont on n'est pas du tout sûr de l'existence, alors que pour le coup, on sait qu'il y a des conséquences à long terme de la Covid. C'est ça. Voilà. On sait qu'il y a des morts là, voilà. Donc, non, là, mais même, il y a des morts, même les gens qui survivent, il y a les Covid longs qui sont quand même loin d'être négligeables en termes de symptômes et de fréquence. Et ça existe de façon indiscutable. Donc, pareil, on revient à la balance bénéfice-risque. Un vaccin qui a très peu de chances d'avoir des effets secondaires long terme contre une maladie qui a pas mal de chances finalement de donner des effets secondaires invalidants à long terme, bah, le choix est a priori vite fait. Ça me paraît pas mal. Une réaction, Madame Lacombe, ou Non, je suis entièrement d'accord. C'est vrai, par exemple, il y a aussi autre chose qu'on me demande très souvent, c'est combien de temps va durer la protection immunitaire, que ce soit par le vaccin ou par le contact avec la maladie. Mais c'est une maladie, en gros, qui est arrivée en France en mars, on est en décembre, on ne peut pas savoir si, une fois qu'on a fait la maladie, eh bien, on va être protégé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne sait pas, puisqu'il n'y a pas encore eu une durée de vie aussi importante après le début de l'épidémie. On me pose souvent cette question en particulier parce qu'on me dit, mais quand on a fait la maladie, est-ce qu'il faut se vacciner? On a une protection longue, on n'a pas besoin de se faire vacciner. Mais en fait, on ne sait pas ça. Alors, une chose que l'on sait, et qui est importante à redire là, c'est que l'immunité qui est conférée par la vaccination est supérieure en termes d'intensité, on ne sait pas sur la durée, hein, mais en termes d'intensité, à celle que l'on acquiert après avoir fait une infection, dans la majorité des cas. Ça, c'est super important. C'est pour ça qu'avant de se faire vacciner, on ne fera pas de sérologie. Et même si on a fait un Covid à un moment donné, on se fait quand même vacciner. Et pour l'instant, la durée, le délai entre un épisode de Covid symptomatique et la vaccination, la recommandation en France, on ne sait pas trop. Aux États-Unis et en Angleterre, par exemple, c'est 3 mois, 1 mois. Et pour l'instant, pour la France, on ne sait pas. Il y aura probablement, comme pour toutes les maladies infectieuses, hein, on demande à ce que l'épisode aigu soit résolu avant de vacciner. Donc, probablement, il y aura au minimum 1 mois entre un Covid symptomatique et la vaccination. D'accord. Mais ce sera peut-être 3 mois, ça, je ne sais pas. C'est les autorités de santé qui vont décider. Et vaccination, par exemple. Et comment on évalue cette efficacité à long terme? Comment est-ce que je vais savoir, par exemple, que ma vaccination est toujours pérenne à 2 ans, 3 ans? C'est les dosages sérologiques qui vous permettent de dire ça, sur les études? On mesure les anticorps. Alors, il y a un point aussi qui est très important en termes de connaissance de l'immunité vaccinale. Quand on est vacciné, si après la vaccination, on a un très haut taux d'anticorps,
eh bien, ça va durer longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'on a, par exemple, moi, je ne sais pas, hein, c'est complètement au pif. Moi, je connais très bien la vaccination contre l'hépatite B, par exemple. Ce n'est pas parce que vous avez un taux de 1000 en unité d'anticorps anti-hépatite B que vous serez mieux protégé que quelqu'un qui en a 20. Vous serez protégé pareil. Ce qui est important, c'est d'avoir des anticorps. En revanche, plus on en a et plus ces anticorps mettent de temps à disparaître dans le temps. Donc, d'accord. C'est uniquement ce facteur-là. Donc, même si après vaccination, on n'a pas beaucoup d'anticorps, on sera quand même protégé, comme quelqu'un qui en a beaucoup. Bon, okay. Là, on a un gros débat dans le chat parce que vous avez dit que l'ARN messager était une structure protéique et là, ça se base sur de la biochimie. Donc, oui, ouais. C'est une structure. Pas les mêmes types de biomolécules. Oui, voilà. C'est bon. Après, on peut. Pourtant, on n'est plus dans trop de la vulgarisation, là, mais oui. Non, mais. Là, ils sont en train de s'écharper dans le chat. Alors, je vais modérer verbalement. C'est bien, vous savez des trucs, vous êtes biochimiste, tout ça. Nous, on essaie de parler, on essaie d'être niveau lycée à peu près. Donc, ouais. C'est pas très grave si on dit des petits trucs comme ça. L'important, c'est le fond du message. Soyez indulgent avec ça. Hein, parce que si on veut vous assommer avec de l'immunologie, on peut le faire, mais vous êtes mort dans 10 minutes. Pour la biomol, je suis là. Voilà. Donc, mais on peut vous assassiner en médecine, il n'y a aucun problème. C'est un effort, on essaie de simplifier un petit peu. Donc oui, l'ARN messager, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas exactement les mêmes biomolécules. Ce n'est pas grave, déstressé. Mettez un coup, s'il vous plaît, on reprend. Voilà. Ben là, j'ai une question assez intéressante, à laquelle je n'ai pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Est-ce qu'il existe des vaccins qui sont révélés bénéfiques à court, moyen terme, mais dangereux à long terme? Ben, je n'ai pas d'exemple. Je ne sais pas. Écoutez, très honnêtement, alors, peut-être qu'on peut dire le vaccin contre... Alors, pas les vaccins qu'on utilise en France, puisque quand même, si on a fait autant de progrès sur le plan sanitaire depuis 2 siècles, c'est bien parce qu'on a la vaccination et que ça a permis de faire disparaître, enfin, pas complètement disparaître, mais de contrôler la très, très grosse majorité des infections qui peuvent bénéficier d'une prévention vaccinale. Peut-être que le vaccin contre la dengue, par exemple, est un vaccin que l'on n'utilise plus. Donc, il était utilisé uniquement en Asie et en fait, il a eu un effet secondaire qui peut exister. C'est que les enfants qui étaient vaccinés contre la dengue, eh bien, quand ils ont contracté la dengue, en fait, ils ont fait des formes graves. Parce qu'il y a un phénomène, on peut dire... Il y a plusieurs souches, en gros. Voilà, c'est ça. Et il y a un phénomène d'antibody, ce qu'on appelle antibody enhancement, c'est-à-dire une... comment expliquer ça? Comme une aggravation de la réponse anticorps par rapport au vaccin. Voilà, donc on peut dire que voilà, ce vaccin-là, il a plutôt un effet délétère. Mais autrement, en dehors de ce vaccin, qui n'est pas du tout un vaccin qu'on utilise et tout, j'ai pas non plus de notion, voilà, de notion de vaccin qui a pu être délétère à long terme. D'accord. Et effectivement, la dengue, je pense que c'est un bon exemple parce que c'est une question qui était un peu apparue au début par rapport au coronavirus parce que justement, il existe plusieurs souches de la dengue et si vous êtes vacciné contre une des souches, vous êtes protégé contre celle-là, mais avec certains vaccins, ça rendait plus grave les cas des autres souches de dengue. Et on sait qu'il y a des coronavirus saisonniers qui circulent déjà, et ça a été une inquiétude à un moment que le vaccin contre la Covid ne provoque pas des formes graves en cas d'infection par des coronavirus saisonniers. Et en gros, ces problèmes-là sont à peu près résolus, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. D'accord. Moi, j'ai une question qui survient dans le chat et qui me paraît intéressante aussi. Lorsqu'on sera vacciné, est-ce qu'on peut retirer son masque? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée, non, on va pas retirer le masque tout de suite. D'accord. Alors, pourquoi? Parce que il y a deux choses hein, que doit faire la vaccination. C'est déjà empêcher de transmettre le virus et puis empêcher de faire une forme grave. Oui. Pour l'instant, on veut voir au niveau populationnel si le fait d'être vacciné en masse permet de complètement contrôler la circulation du virus. D'accord. Parce qu'on pourrait très bien se dire, bon, on est vacciné, mais en fait, on peut quand même continuer à s'infecter, éventuellement à transmettre. Par exemple, c'est ce qui se passe avec la grippe. La grippe, ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous êtes protégé à 100%. Mais en général, quand vous êtes vacciné, vous faites une grippe beaucoup moins grave
Mais malgré tout, vous avez du virus que vous pouvez transmettre. Le risque est très, très diminué, mais vous pouvez quand même transmettre. Peut-être qu'avec le coronavirus, ce sera pareil. On a besoin d'avoir une surveillance de l'épidémie pendant, dans une population vaccinée pour voir comment ça évolue. Mais bon, d'accord. Le but, c'est quand même à un moment donné de laisser tomber les gestes barrières. On ne va pas passer 10 ans avec le masque. Mais c'était bien les gestes barrières. Hein. moi, ma femme est médecin généraliste. Ça fait quand même beaucoup moins de grippe, beaucoup moins de gastro, beaucoup moins de trucs comme ça. Donc, moi, elle est ravie. Ce sera intéressant de voir les épidémies de gastro, d'otite et tout. Aucune. Alors, il y a bon, en principe, dans cette période-là, alors, l'épidémie de grippe, ça commence. Hein, ça aurait dû commencer fin novembre, début décembre. Et puis, en revanche, il y a l'épidémie de VRS qui donne des bronchiolites chez les enfants et les gastro-entérites. Et ben, en fait, vous allez voir les pédiatres, hein, il n'y a aucun... Calme, les urgences. Exactement. Pas de gastro, pas de bronchiolite. Ça, c'est intéressant parce que ça veut aussi dire que c'est les adultes qui transmettent le VRS aux nourrissons qui ont les bronchiolites, par exemple. Parce que c'est nous qui portons les masques et pas les nourrissons. Les petits. Ouais. Ça, c'est bon. C'est l'effet bénéfique des mesures barrières. Enfin, l'effet bénéfique contralatéral des mesures barrières. C'est accessoirement, c'est l'occasion de rappeler que ces mesures barrières ne sont pas que des mesures barrières contre le coronavirus et que du coup, ça peut être intéressant de continuer à les appliquer dans d'autres situations plus tard. Oui, non, c'est toujours intéressant. Mais enfin, on suppose quand même que si la charge virale est moins forte, on aura une transmission qui va diminuer et que du coup, l'intérêt des masques va diminuer au fur et à mesure de la protection. Après, on n'a pas de données qui nous disent que la transmissibilité diminue. En tout cas, j'en ai pas vu passer. Non, en gros, ce qu'il faut voir, c'est que là, les études cliniques, pour l'instant, ce qu'elles suivent comme paramètre, c'est est-ce que les personnes développent une maladie et ont des symptômes, en gros. Pour vérifier si les personnes sont contagieuses, il faudra aller faire des prélèvements nasopharyngés, voire plus poussés que ça chez tout le monde, et faire des PCR quantitatives chez tout le monde pour voir est-ce que les gens ont du virus ou pas, et combien ils en ont. Et ce n'est pas vraiment le même coût et la même lourdeur de mise en place. Ouais. D'accord. Donc on aura peut-être ces données plus tard, hein, mais comme c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux, c'est assez logique que ce ne soit pas la première chose qui a été faite dans l'urgence actuelle. Bon. Eh bien, écoutez, c'est pas mal tout ça. On est pas mal. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On va peut-être reprendre un petit peu de chat. C'est tout bon. Mais moi, j'ai pas mal de réponses à mes trucs. Est-ce qu'il y a des choses dont vous voudriez parler en particulier, Madame Lechaume? Non, on va juste dire que la recherche thérapeutique continue en parallèle de la recherche vaccinale. Parce que évidemment, on ne pense pas qu'à ce stade, le virus va disparaître. On ne va pas être dans l'élimination, voire l'éradication du virus. Alors, on pourrait, si vraiment on a une très forte couverture vaccinale dans le monde entier, on pourrait tendre au moins à l'élimination locale ou nationale, voire à l'éradication au niveau mondial. On en est très loin pour l'instant, vu l'intensité de la pandémie. Donc, la recherche thérapeutique va continuer parce qu'on va continuer d'avoir des gens malades. Et il y a donc un gros investissement qui persiste pour la recherche de traitements. Alors, des traitements soit pour des personnes qui ne sont pas hospitalisées. Et là, le but, ça va être justement, en même temps que la vaccination, d'agir sur la transmission du virus. Donc, on aimerait bien avoir un médicament qu'on prend pendant quelques jours quand on a la COVID-19 pour couper la réplication du virus et empêcher de transmettre. Mmh. Et puis, on veut aussi avoir des traitements qui soignent les gens quand ils sont à l'hôpital. Mmh. Donc, voilà, tout ça continue et c'est assez... Aujourd'hui, moi, je vais reprendre ce qu'on avait dit avec Nathan la dernière fois, hein, qui est infectiologue. Je vous renvoie aux consultations précédentes. Ce que nous avait dit Nathan, c'est que sur les phases aiguës, entre guillemets, il y avait la corticothérapie qui avait montré des bénéfices assez nets. Et il restait très mitigé vis-à-vis du remdesivir avec une étude négative, une étude positive. Et on a vu que le remdesivir a finalement été retiré des recommandations. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé de retirer le remdesivir? C'était pas du tout intéressant. Il a jamais été identifié comme tel dans les recommandations françaises ou européennes.
Il était placé. Il était utilisé dans certaines équipes, c'est ce qu'il nous avait voilà, dit, mais sans recommandation claire. Oui. Sans recommandation claire. Donc actuellement, dans les recommandations du Haut Comité de Santé Publique, il est dit que, en l'état actuel des connaissances, le bénéfice clinique du remdesivir n'est pas établi avec certitude pour les personnes hospitalisées. Et que pour les personnes hospitalisées avec des besoins d'oxygène, donc c'est-à-dire pas vraiment au tout début de la phase infectieuse, et donc il faut inclure les patients dans les essais thérapeutiques. Et on attend en fait un petit peu pour statuer que on ait les résultats de l'essai Discovery, qui est cet essai européen avec une grosse part française, et on espère que les tout derniers patients seront inclus là sur les 15 jours qui restent pour qu'on ait des données en janvier. D'accord. En fait, ça va permettre un peu de faire la part des choses entre les essais plutôt américains qui disent que ça peut marcher dans certaines circonstances et puis l'essai international Solidarity qui dit que ça ne marche pas. Alors après, on peut rentrer vraiment dans les choses très fines et tout, mais pour l'instant, ce qui va faire, qui va permettre un peu de trancher entre les deux, ce sera l'essai Discovery. D'accord. Alors donc, en gros, on s'interdit une utilisation hors protocole, si je comprends bien. C'est-à-dire hors protocole de recherche, on ne fait plus et on va continuer comme ça. Bon, en tout cas, je dois dire que si vous êtes un agent de Gilead, vous ne le vendez pas très bien. Hein. On est des scientifiques, donc on analyse les données au fur et à mesure de leur publication et surtout, on n'a pas de parti pris. On essaye de ne pas en avoir. Voilà. On essaye. C'est vrai qu'on revoit nos positions au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances. Ouais. Mais ça paraît, c'est sain. Je ne sais pas comment vous dire, non, c'est normal. Enfin, c'est la base, hein. C'est-à-dire, on a des espoirs. La démarche scientifique, elle est quand même assez claire. Hein. On pose une question scientifique, on se donne les moyens d'y répondre, mais on ne part pas de la réponse pour ensuite monter une étude pour prouver notre réponse. D'accord. Si vous essayez de faire ça, ce n'est pas bien. Ne le faites pas. Hein. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Ni à Marseille. Bref. Ni dans les abbayes. J'ai une question parce que cette semaine, j'ai vu passer une publication qui identifiait 5 gènes corrélés aux formes graves. Parce que c'est une des grandes questions depuis le départ. En dehors des facteurs de risque déjà identifiés, est-ce qu'on peut prédire, est-ce que quelqu'un a plus de risque de faire une forme grave si la personne est infectée? Et il y a plusieurs gènes, donc 5 qui ont été identifiés. Alors, je n'ai pas tout creusé, mais il y en a au moins 2 qui étaient impliqués dans les réactions immunitaires inflammatoires. Donc, ça a quand même l'air assez cohérent, même si c'est que des corrélations pour l'instant. Est-ce que ce genre de données, ça peut avoir un impact sur la façon dont les patients sont pris en charge en clinique, ou est-ce que c'est juste intéressant pour la recherche fondamentale en fait? Ben non, ça pourrait tout à fait avoir un impact, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive à l'hôpital, en 24 heures, on pourrait obtenir une cartographie de ces 5 gènes, ils sont présents, ils ne sont pas présents, de quelle façon ils sont exprimés. Si on peut l'avoir assez vite, on peut se dire que ce patient-là, et puis ça risque qu'un autre de faire une forme grave, donc éventuellement d'adapter la prise en charge. Après, c'est pas si facile que ça parce que, par exemple, on sait que les gènes qui codent, que quand il y a des mutations sur les gènes qui codent pour l'interféron, on peut faire des formes graves, voire mortelles. Donc, c'est déjà une notion qu'on avait pour la grippe, mais on l'a aussi prouvé pour la COVID-19. Donc ça peut aider à la prise en charge, mais souvent ces personnes-là malheureusement arrivent à l'hôpital déjà dans un état hyper grave. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait avoir une façon de corriger cette mutation, ce gène qui n'existe pas. Donc ça c'est plus compliqué. D'accord. Et vous aviez parlé, j'ai vu passer ça, qu'il y avait un lien avec les groupes sanguins. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes sanguins qui étaient un peu plus à risque, un peu moins à risque de développer des formes graves. C'est démontré, ça, ou c'est quelque chose? On a vu en observationnel, on a vu que les personnes qui avaient, par exemple, le O+, qui était le O+, faisaient moins de formes graves. Mm-hmm. Franchement, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne me suis vraiment pas lancée dans l'approfondissement de ce sujet.
Voilà, donc c'est des données observationnelles, et, c'est-à-dire qu'on a observé, on a vu que parmi les personnes qui faisaient des formes graves, eh bien, il y avait plus fréquemment de groupes sanguins A et B que de groupes sanguins O. D'accord. Voilà, mais après, franchement, sur le plan mécanistique, je ne m'avancerai pas plus, que je n'ai vraiment pas étudié le sujet. Ok. Alors, j'ai deux questions. Beaucoup de prudence. Hein. Oui. Alors, la première va être évacuée rapidement. La deuxième est plus intéressante parce qu'elle va arriver relativement rapidement. Alors, on m'a posé la question plusieurs fois dans le chat. Et l'ivermectine dans cette histoire? Donc, voilà, pour essayer d'évacuer le truc, l'ivermectine, bah, on n'a pas de preuve de rien. Ça marche. Donc, l'ivermectine, c'est un antiparasitaire. Ouais. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la COVID-19 est arrivée, la première chose qu'on a essayé de voir, c'est si des molécules existantes avaient une activité antivirale in vitro, c'est-à-dire dans le tube à essai, entre guillemets, ou sur les cultures de cellules. Et donc, on a repositionné plein de molécules, dont parmi ces molécules, l'ivermectine. Et pour l'instant, il n'y a aucune donnée probante en clinique, en situation clinique, qui montre que l'ivermectine marche. Alors, il y a des données observationnelles, hein, des données rétrospectives, etc. Mais un essai clinique randomisé ivermectine versus pas ivermectine, il n'y a rien qui montre que l'ivermectine marche. En revanche, il y a in vitro, mais comme plein de molécules. Il y a des antidépresseurs qui ont montré une très forte activité contre le virus in vitro. Oui, une balle de revolver aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Si vous mettez du gasoil dans la boîte de Pétri, normalement, il n'y a plus un seul virus dedans. Mais est-ce que ça veut dire que... bon, voilà. Et la deuxième question qui est beaucoup plus pertinente, par contre, est qu'est-ce qu'on fait à Noël? Donc, qu'est-ce que vous nous conseilleriez à Noël? Non, mais c'est une vraie question. Pour le coup, c'est une question C'est une question que je me pose aussi, d'ailleurs. Oui, non, mais moi aussi. J'embrasse ma maman et ma sœur, que j'aimerais bien voir à Noël. Mais c'est vrai que les recommandations, c'est 6 adultes et les enfants, pas plus, quoi. Donc, si on suit les recommandations, c'est les recommandations. Ensuite, est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Bon, alors... Là, on rentre clairement dans le domaine du subjectif, hein, parce que ça dépend du niveau de prudence que chacun veut adopter. Oui, bien sûr. Moi, j'aurais tendance à dire, on suit les recommandations. Je pense qu'il y a un conseil important sur lequel il faut insister, parce que ça se joue maintenant, qui est que si vous devez voir des gens à Noël, il faut prendre des précautions pendant les 10-15 jours précédents pour éviter au maximum de risquer d'être exposé au virus. Et les 10-15 jours précédents, on est dedans. Voilà. À partir de maintenant. Si vous n'avez pas fini vos courses de Noël, allez les finir en magasin samedi prochain. C'est une mauvaise idée, par exemple, parce que vous allez vous retrouver dans des lieux fermés avec une grosse densité de personnes et pas forcément une très bonne aération. C'est pas ouf. Voilà, moi, personnellement, là, j'évite de me retrouver enfermée dans une pièce même avec des gens qui portent le masque s'il y a plus de 5-10 personnes, quoi. Voilà. Il se trouve que je travaille seule chez moi, donc ça m'arrive assez peu, hein, globalement. Mais voilà, c'est le genre de précaution qui commence maintenant, c'est éviter toutes les situations à risque. Là, clairement, si vous devez retrouver des personnes qui, elles, sont à risque pour le réveillon, profitez pas du déconfinement de la semaine prochaine pour aller boire un café avec 3 copains dans une pièce à l'intérieur sans masque mercredi prochain, quoi. Ça, c'est une mauvaise idée. Soyez aussi hyper vigilant si vous vous déplacez en transport, en train ou en avion. Gardez bien votre masque pendant tout le trajet, parce qu'a priori, si vous prenez ce type de transport, c'est que vous ne faites pas l'aller-retour que pour un repas, donc vous allez rester sur place. Ce qui veut dire que concrètement, plusieurs personnes qui restent dans la même maison, qui cohabitent, qui mangent ensemble, qui partagent la salle de bain, etc., etc., s'il y en a une qui est contagieuse dans le lot, les autres vont avoir peu de chances de passer à travers. Et si vous venez en train, vous pouvez être exposé à la maladie dans le train s'il y a une personne dans le wagon qui porte mal son masque. Donc, à minima, portez bien le vôtre pour vous protéger au maximum. Voilà, ça, c'est les conseils de prévention qu'on peut appliquer dès maintenant. Après, si vous cherchez des conseils vraiment concrets sur comment gérer un repas avec le maximum de gestes barrières, je vous renvoie vers le site Adios Corona, qui est géré par des chercheuses, qui est sourcé. C'est-à-dire, si vous voulez savoir d'où viennent les affirmations à chaque article, il y a des sources. Ils ont un compte Twitter où ils partagent les articles les plus pertinents par rapport à la situation actuelle, et ils font des recommandations très concrètes sur comment je fais pour cuisiner en ne risquant pas de contaminer mes convives si je suis contagieux, par exemple.
C'est voilà. Excellent. Non, ça, je suis en train de regarder et c'est des questions-réponses. Il y a notamment, est-ce que le coronavirus peut-il être inactivé au four micro-ondes ? Je dirais oui, mais il faut quand même réussir à rentrer dedans et c'est quand même compliqué. Donc, non, voilà, c'est un site qui est bien pensé parce qu'il est très concret. Quoi. Il répond aux questions qu'on se pose sur est-ce que je peux mettre le plat au milieu de la table, par exemple ? Non, c'est une mauvaise idée. Les gens n'ont pas de masque. Il y a une personne malade, potentiellement, elle peut contaminer le plat. Voilà. Après, chacun met son niveau de vigilance au seuil qui lui convient et qui convient à sa famille, hein, parce qu'il faut être honnête, Noël, c'est aussi un peu une question de pression familiale. Oui. Voilà, oui. Moi, je sais que dans ma famille, moi, on est trois, le problème est vite réglé de toute façon. On fait tous les trois attention pendant les 10 jours qui arrivent et puis on se verra, mais pas trop longtemps pour pas trop augmenter le niveau de risque non plus. C'est pas le cas pour tous mes proches. Quoi. Voilà. Donc, le second conseil, peut-être, c'est faites le choix entre Noël et le réveillon du jour de l'an. Parce que vraiment, comme il n'y a qu'une semaine entre les deux, si vous êtes contaminé à Noël, vous serez contagieux au jour de l'an, à peu de choses près, hein, statistiquement. Donc, si vous savez que vous avez mangé avec 5-10 personnes ou vous avez passé une semaine avec votre famille sans masque à Noël, n'allez pas rejoindre une soirée avec 20 personnes pour le réveillon du jour de l'an. Quoi. Ça, c'est une mauvaise idée. Pensez aux médecins qui vont devoir gérer les conséquences de tout ça en janvier et ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ah mais nous, on gérera, hein. c'est pas un souci. Mais après, c'est juste que vous ne serez peut-être pas prioritaire dans la queue. Donc, voilà. Après, si, il y a tout le reste des conseils où prenez des précautions supplémentaires s'il y a des personnes à risque. Voilà, que ce soit des personnes âgées ou des personnes qui ont d'autres symptômes. Je sais que l'hypertension, le surpoids, etc., ça joue aussi beaucoup dans la gravité des formes. Oui. Ne considérez pas les enfants comme immunisés au virus, c'est faux. Et compte tenu du fait qu'ils sont allés à l'école jusqu'à peu de temps avant le réveillon, alors que vous êtes sans doute isolés, même s'ils sont globalement moins contagieux que les adultes, en pratique, ils le seront peut-être plus, parce qu'ils auront potentiellement été plus exposés au virus sur les 10 jours précédents. Donc, ça ne veut pas dire diaboliser les enfants et enfermer-les dans une pièce, hein, mais ça ne sert à rien de leur mentir et de dire qu'il y a une précaution à prendre. J'étais à deux doigts de faire une Harry Potter, si tu veux, du cabanon sous l'escalier, mais non. Mais, ouais. Mais oui, après, moi, pour être très prosaïque, je ne vais pas vous donner des conseils parce que, voilà, idéalement, il vaudrait mieux annuler Noël et tout ça. Mais moi, je vais faire un tout petit réveillon avec deux personnes. Je ne ferai pas du jour de l'an. Et pour toute la famille qui me met la pression pour que je les vois, je viendrai faire un coucou avec le masque et je ne mangerai pas avec eux. Parce que je considère que manger, c'est-à-dire retirer son masque et manger au contact avec les gens, c'est ce qui va me mettre un peu plus en danger. Après, non, le masque ne va pas vous protéger à 100%, probablement à 98%. Et ça va dépendre de la durée et du contact rapproché que vous allez avoir avec les gens. Mais ça, c'est un point important, parce que je pense qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens, se voir à Noël, ça veut dire manger ensemble. En fait, si ce qui vous intéresse, c'est juste de voir vos proches, vous pouvez arriver chez eux à 14h et repartir à 19h, vous aurez passé un certain temps ensemble, et pendant ce temps-là, vous n'avez pas forcément besoin de manger, donc vous pouvez garder vos masques, et vous pouvez aérer la pièce une fois par heure ou une fois toutes les demi-heures, si vous voulez vraiment bien faire, pour limiter au maximum les risques. Donc il y a complètement moyen de se voir et de profiter de ses proches, en ayant un niveau de risque finalement assez bas. Après, manger, c'est bien, mais on n'est pas obligé. Voilà. Rappelons bien qu'un niveau de risque bas, ce n'est pas un niveau de risque nul. Non. Vous allez prendre des risques en voyant les gens. C'est juste, vous allez pondérer, vous allez choisir quel est le niveau de risque que vous souhaitez supporter, vous, mais auquel vous ferez supporter vos proches. D'accord ? Et sachant que plus vous voyez de gens, et plus vous augmentez le risque. Donc, si vous et votre famille à vous, vous êtes en moins dans la réunion familiale, ben, c'est ce niveau de risque en moins. Donc, pesez-le aussi. Et d'ailleurs, dans cette histoire de voir tout le monde et faire plaisir à tout le monde, le but de faire des groupes de 6 personnes, c'est de limiter le nombre de contacts global. Donc, si vous faites 6 personnes un jour, 6 personnes le même, 6 autres le soir, 6 autres le lendemain midi, 6 autres, hein, c'est triché, à la fin. Ça. Non, mais c'est-à-dire si vous avez été contaminé au premier repas. Non, mais si vous avez été contaminé au premier repas, vous serez sans doute contagieux au dernier. Et si vous étiez contagieux au premier, vous aurez été contagieux pendant tout le long. Quoi. Oui, et de la même manière, si vous faites 2 repas le midi pour manger avec 6 personnes différentes à chaque fois, ça ne marche pas.
Hein, réfléchissez. Non, mais voilà, on déconne, hein, c'est sûr. Mais oui, effectivement, voilà. Donc après, je ne sais pas si Mme Lacombe, vous avez une position vis-à-vis de tout ça. C'est... Non, j'ai rien d'autre à rajouter. C'était parfait. Et je pense que la seule chose que j'allais rajouter, vous venez de le dire, c'est hyper important de ne pas multiplier les repas. C'est pas le fait de faire des repas avec un petit nombre de personnes si c'est important d'en faire un petit nombre, il ne faut pas les répéter. C'est exactement ça. Et ce qui est très important, c'est de savoir identifier, diagnostiquer, tracer, isoler si jamais, juste après ces repas, eh bien, quelqu'un est malade. D'accord. De façon à couper, si possible, la chaîne de transmission que vous aurez initiée. Oui, mais moi, j'ai envie de vous embêter là. Parce que voilà, si je fais une PCR, genre je vais faire la PCR… C'est une question importante. Une semaine avant, et un bisou au laboratoire qui vont manger sévère, à mon avis, dans les semaines qui viennent. C'est bon. Si je suis négatif, c'est bon. Je peux faire mon repas tranquille, tout va bien. La réponse est non. Désolée. Je suis en train de complètement plomber l'ambiance pour la fin du live. J'en ai parfaitement conscience, mais en même temps, il faut être un peu réaliste. Quoi. 2 heures avant d'avoir un taux de virus élevé détectable à la PCR ou au test antigénique, on est négatif au test. Voilà. Donc, il y a 2 éléments de réponse importants là. Le premier, c'est que notre système de dépistage n'est absolument pas en mesure de prendre en charge tout le monde, tous les gens qui voudraient se faire tester le 23 décembre après-midi. On ne peut pas, mécaniquement. Il y a quelqu'un qui avait fait je crois que c'est BioHospitalix sur Twitter, qui avait fait le calcul. Ça représentait plusieurs centaines de milliers d'heures de travail à faire en une demi-journée. On a un bon réseau et on a pas mal de personnel dans les laboratoires de tests, mais pas à ce point-là. Et c'est un métier qui demande de la formation, donc ces gens ne vont pas se matérialiser d'ici le 23 décembre. Et au-delà de ça, comme je disais, votre test, il est valable au moment où il est fait. Il n'est pas valable pour 3 jours plus tard, il n'est pas valable pour une semaine plus tard, et il n'est même pas vraiment valable pour le lendemain. Quoi. Sa validité, en vrai, ce serait plus de l'ordre d'une demi-journée, et encore. Donc voilà, considérez pas qu'un test est un passeport d'immunité. Il y a un cas clinique qui a été décrit sur le blog de Marc Gozlan qui s'appelle Réalité biomédicale. Si vous voulez aller voir, il y a plein de cas cliniques hyper flippants pour convaincre votre famille de ne pas faire un repas à 15 personnes à Noël. Mais il y en a notamment un d'une adolescente de 13 ans qui a été testée négative, qui a rejoint sa famille et qui finalement a contaminé la plupart de sa famille parce qu'elle était négative au moment du test, mais elle était juste avant l'apparition d'un taux détectable de virus. Elle est devenue contagieuse pendant qu'elle était en vacances avec sa famille. Il n'y avait pas de respect des gestes barrières. Et en fait, les seules personnes qui n'ont pas été contaminées, c'est celles qui ont juste fait un passage rapide en restant dehors et en portant un masque. Voilà. Donc, un test, ce n'est pas un totem d'immunité. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'était dans la conférence de presse, cette référence à Koh-Lanta. Mais bon, elle marche bien. Magnifique. Donc, voilà. Et si je fais une sérologie et qu'elle est positive, c'est-à-dire que je suis immunisé, tout ça, c'est bon, c'est tranquille ou c'est pas tranquille? C'est un peu la question de savoir si on a des anticorps qui sont immunisants ou pas. Ah ben oui. Des anticorps neutralisants ou pas. Les sérologies ELISA, hein, qui est une technique de sérologie qui est la plus commune, ne permettent pas de savoir si les anticorps sont neutralisants ou pas. Et il y a des anticorps qui ne sont pas neutralisants et qu'on fabrique, donc ce n'est pas une garantie qu'on ne va pas transmettre. Bref, en gros, faire attention. Quoi. C'est ça. Et si vous pouvez décaler Noël. Si vous n'êtes pas à cheval sur les dates, le 24 décembre ou un autre moment pour voir vos proches. C'est peut-être pas le 24 décembre le meilleur jour, quoi. Voilà. Après, voyez en fonction de est-ce que vous pouvez vous isoler un peu sur les 10 jours qui précèdent ou pas. Voyez en fonction de l'état, la situation, du niveau de risque des personnes de votre entourage. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Je sais qu'on a tous envie de revoir nos proches, hein, donc je peux comprendre tout à fait qu'il y ait des gens qui ne respecteront pas la limite des 6 personnes, enfants comptés à l'intérieur ou pas. Et je pense qu'il ne faut pas se juger. Après, ce qui est difficile, c'est de se mettre d'accord au sein des familles. Essayez au moins de ne pas mettre la pression sur les membres de votre famille qui ne se sentent pas à l'aise avec une prise de risque. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois un peu. Il y a des gens qui me parlent de ça sur les réseaux sociaux pour me dire comment faire comprendre à ma mère que moi, je n'ai pas envie de venir au repas où elle a invité 15 personnes. Ouais. Donc, ayez conscience que le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter n'est pas forcément le même que celui que vos proches sont prêts à accepter et ne les jugez pas pour ça.
Soyons un peu pipou pour Noël, faisons preuve de bienveillance et respectons les choix de nos proches s'ils n'ont pas envie de prendre des risques sanitaires. Voilà. C'est vrai. Donc, restez bienveillants envers les autres. Nous, les médecins, l'avantage, c'est que nous, on a un niveau de tolérance qui est très, très bas parce qu'on sait un peu à quoi on s'expose. Et du coup, on n'a pas très envie. Donc, on est plutôt dans le versant zéro risque autant que possible. Mais concrètement, il y en a qui sont un peu plus élevés. Moi, ce que je vois, c'est surtout les personnes âgées. Enfin, finalement, les personnes qui sont notamment les plus à risque, qui nous regardent et qui font « Oh, c'est bon, allez, on y va et on verra bien. » Non, ce n'est pas une bonne idée, ne les écoutez pas. Hein, c'est parce qu'en vrai, quand ils sont vraiment confrontés à la situation, ils n'ont pas exactement le même discours. Donc, soyez un petit peu… essayez même de les protéger des fois malgré eux, autant que possible. Je suis désolé, hein, mais voilà. Mais oui, surtout, évitez de vous juger parce que y a des gens qui prendront des risques, il y a des gens qui feront nawak, hein, c'est prévu, c'est attendu, mais ce n'est pas grave. L'important, ce n'est pas la faible minorité qui fera nawak. L'important, c'est que l'immense majorité fasse le mieux possible et qu'on essaie quand même de limiter la contamination. Mais on sait qu'on va manger chaud, de toute façon. Et puis, il y a cette fameuse image qui a beaucoup circulé, que je trouve assez efficace, de la protection en mode fromage avec des trous. Chaque épaisseur de protection n'est pas parfaite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la mettre en place, ça veut juste dire qu'il faut la combiner avec d'autres. C'est donc ne relâchez pas toutes les précautions au prétexte que de toute façon il y a un risque. Oui, de toute façon il y a un risque, mais plus vous pourrez le diminuer, mieux c'est, et pour vous et pour les autres personnes qui sont là. C'est ça. Et dites-vous que vous êtes à la fin, là. C'est-à-dire que normalement, avec la campagne de vaccination, c'est con quand même de se faire piner 2 à 3 mois avant le virus. Genre Giscard, il faisait l'effort encore 3 mois, il était là. Il était là, vous vous rendez compte quand même. Quelle honte. À 3 mois du vaccin, là. Quelle indignité. On a perdu un président à cause de ça. Voilà. Après, on ne sait pas de quoi il est mort, hein, même si tous les médias l'ont dit. Mais voilà, c'est le secret médical, tout ça. Bref. Voilà, bah écoutez, ça fait 2 heures déjà. Oui. Il faut qu'on laisse la place. Il y a le docteur Fouché qui doit parler. Il faut qu'on le docteur Fouché. Ah là là. Hein, docteur Fouché, si vous nous entendez, nous attendons votre radiation avec impatience. Oui, nous vous détestons de toute notre âme. Vous êtes une immondice. Et arrêtez de me mettre en lien le Louis Fouché pour me demander quel est l'avis de ce mec. Il a l'air d'être passionnant. J'en ai rien à foutre. Je ne les lis pas. Et ça ne m'intéresse pas. Arrêtez avec ça. Vraiment, je pète un plomb. Hein. Non, donc, pour la petite information, ce bon docteur Fouché est en live à partir d'actuellement chez un autre grand ponte d'Internet. De la désinformation médicale, oui. C'est pas très intéressant. On n'y allait pas. On continue le live pendant 2 heures pour pas que les gens aillent voir, c'est ça. Et non, parce que Madame Lacombe a des obligations, évidemment, nous aussi. Et voilà. Et puis ça va bien, quoi. Ça fait 2 heures, c'est bon. Vous avez 2 heures d'infectiologie avec l'élite de l'infectiologie parisienne. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, hein? Vous ne pouvez pas dire qu'il ne se passe rien, enfin. Donc voilà. Rougir. Mais non, je ne vous fais pas rougir. On est entre nous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci beaucoup. Merci à Tania d'y avoir répondu à l'arrache. Oui, un peu. Désolé. Mais d'avoir répondu favorablement, cela nous fait très plaisir. Et puis voilà. Et merci à vous d'organiser des choses comme ça qui permettent d'avoir le temps de développer des arguments, ce qui est quand même pas évident. Non. C'est des moments précieux. Oui, bravo. Mais je pense c'est bien aussi de pouvoir vous déployer, surtout que les gens puissent le regarder, le re-regarder, se reposer et avoir 2 heures de propos déployés. Moi, je préfère. Après, c'est vrai que c'est chiant. Hein, mais de toute façon, j'ai toujours un copain qui me fait les timestamps, c'est-à-dire un fichage horaire pour me dire quels sont les moments où on a parlé de tel sujet, Donc, c'est Nathanaël généralement ou Shikamaru. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. En tout cas, si vous le faites, c'est très gentil parce que je n'ai pas le temps de le faire et je vous épinglerai avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu, tout ça, ça me fait toujours plaisir. Voilà, merci à Karine Lacombe d'être venue, merci professeur, c'était délicieux. Et puis voilà, et nous aurons plaisir à vous voir sur Twitter, sur la télé, tout ça. Et je vous encourage, même si c'est dur, même si c'est chiant, à continuer ce travail d'information au grand public. Et à motiver vos collègues à le faire. C'est indispensable. Et botter leur cul à l'esprit. Pour le cul, hein, faut faire attention.
Oui, et si vous pouvez virer vos collègues qui sont complètement tarés, c'est pas mal aussi. Il faut trouver des solutions avec le CNU, tout ça. Ouais. Quand un professeur il commence à devenir toc-toc, il faut lui dire, bon, la porte, c'est là, il faut arrêter d'exercer, et voilà. C'est pas possible que dans le même secteur hospitalier, on ait des gens qui soient exceptionnels et des gens que je pourrais qualifier d'ordures. Même si, voilà, c'est à un moment donné, il va falloir avoir une cohérence, quoi. Enfin, donc voilà, mais en tout cas, et merci bon courage à vous pour tout ça, parce que c'est pas des missions faciles, vraiment. C'est pas des missions faciles, il vous faut beaucoup de courage, et c'est pas parce qu'il y a quelques tout bêtes qui vous tombent sur la gueule qu'il faut, il faut vous arrêter. Donc continuez comme ça, et on vous encourage, on vous soutient. Merci. Voilà. Tout à fait. Et continuez-vous aussi, votre rôle est très important. Pour la suite, des gens comme vous que je suis revenue sur les réseaux sociaux. Ah. Eh bien, écoutez, c'est très mignon et on va essayer de continuer, on va voir tout ça. Merci Tania d'être venue. On rappelle ton bouquin, La folle histoire des virus, qui parle beaucoup des virus et un peu de maladies. Ah, celui-là, il est super bien. J'ai vu quelques planches, c'est là-dessus que je sors le truc du groupe sanguin. Oui. C'est là-dessus que j'ai vu ça. Non, c'est très bien. Mais il faut diversifier les formats, c'est vachement important. Enfin, c'est super. Non, au contraire, continuez. C'est super bien. Donc, ouais, c'est cette BD. Du coup, comment ça vous est venu de faire la BD? Je ne vous ai pas demandé. Ah bah, en fait, très honnêtement, alors, on parle surtout de Fiamma Luzzatti, qui est la dessinatrice, et moi. Ouais. Et derrière nous, on a deux super éditrices qui sont Paloma Grossi et Léa Marti et qui ont l'idée, en fait, et qui sont venues me voir. Donc, c'est deux jeunes éditrices chez Stock et qui sont venues me voir. Et j'ai trouvé l'idée super originale, alors que j'étais aussi sollicitée par d'autres maisons d'édition pour faire des bouquins comme ont pu sortir mes confrères, qui ne m'intéressaient pas du tout dès le début. Et en fait, je me suis dit, en fait, la BD, c'est un très bon vecteur de vulgarisation, justement, tout en faisant passer des messages forts et en amenant les gens au cœur de ce qu'on a vécu, qui est plus difficile, je trouve, à faire passer avec un livre sur ma vie, mon œuvre, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, enfin bref, tous ces trucs-là. Toutes les erreurs qu'ils ont commises. Beaucoup trop tôt, quand on est au cœur de la crise, de juger les actions qui sont prises pendant la crise. Donc, voilà. Et pour l'avoir lu tout à l'heure, déjà, ça se lit vite, donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, achetez-le quand même, ça vaut le coup. Et on se retrouve vraiment plongé dans le quotidien et la façon dont les choses se sont accélérées et comment il a fallu réorganiser les hôpitaux, etc., qui sont des choses qu'on n'a pas forcément perçues de notre côté à nous, dans la population générale. Donc c'est intéressant de découvrir ce côté-là du décor aussi. Ouais, c'est vraiment un point qui serait intéressant à évoquer, ça, tout l'administratif, tout ce qui a été fait au sein de la PHP, notamment des groupements hospitaliers, pour voir comment ça s'est organisé. Ça, ce serait vraiment bien d'avoir un insight à ce niveau-là. Mais bon, on n'a que 2 heures, donc c'est déjà pas mal. Il faut lire la BD, parce qu'effectivement, c'est très bien. Et toi, Tania, montre-nous ce bouquin que tu as fait. Tu dis qu'il est plus illustré. Alors moi, le mien, il est beaucoup moins graphique, hein, parce qu'il n'y a pas d'illustration. La charte de la collection, c'est qu'il n'y a pas d'illustration. Donc, c'est un livre que je me suis retrouvée à écrire pendant le premier confinement, qui s'appelle « La folle histoire des virus », et qui avait pour objectif de montrer que les virus ne sont pas que des petites choses qui nous rendent malades. Donc, le challenge est un peu monté un cran au-dessus ces derniers mois. Mais voilà, c'est un livre d'histoire de la virologie, en fait, pour faire comprendre ce qu'est un virus, comment cette notion s'est construite et à quel point il nous reste énormément de choses à découvrir dans ce domaine et de perspectives thérapeutiques. Parce que les virus nous rendent malades, mais ils sont aussi utilisés comme outils médicaux. On me fait dire, on dit dans le chat, le placenta, toi-même, tu sais. Ouais, le placenta, chapitre 3, représente. C'est ça. La famille, clac-clac, les grelots. Enfin, voilà. Les petits filtres, l'histoire des petits filtres en verre pour se rendre compte qu'il y a bien des trucs qui sont plus petits que les bactéries. Chapitre 2. L'histoire de la médecine, quoi. Enfin, l'histoire de la science. J'aime l'histoire de la médecine. C'est vachement bien. Nous reparlerons, Tania. Ça me paraît intéressant. Bon. On va... Alors juste on va couper court, on fait un bisou à l'équipe télé qui est juste derrière toi. Hein, oui, bien sûr. Et juste pour la suite, on devait recevoir Étienne Klein. Malheureusement, il a décommandé parce qu'il a beaucoup trop parlé sur le sujet et ça, je crois que ça le déprime un peu, en fait. Je crois qu'il a un petit coup de mou de vulgarisation et que cette crise l'a un peu impacté de ce point de vue-là.
Par contre, s'il nous écoute ou si quelqu'un a le moyen de lui faire passer un message, s'il change d'avis, on sera ravis de le recevoir. Au contraire, nous, on est toujours contents de recevoir des gens qualitatifs comme le professeur Klein. Mais s'il ne sent pas, c'est son choix, j'ai envie de vous dire. Donc, déjà, c'est gentil d'avoir répondu au départ, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas d'autres trucs, on va laisser passer les fêtes tranquillement, on a besoin de... Et puis, on fera le point, on verra comment ça va se passer suite. Mais on vous tient au courant. Dès qu'on a des... si on a des bonnes idées, on invitera des gens. Oui, si on trouve quelque chose, vous inquiétez pas, on trouvera. On espère. Et ils vous préviendront 2 heures avant le début du live. Oui, ça va, hein. C'est bon. C'était pas 2 heures, c'était hier. Et alors, c'est pas notre voilà. Métier. Enfin, c'est pas notre vrai métier. Enfin, bref. On a un métier plus rémunérateur que ça. D'ailleurs, donnez de l'argent à Tania parce qu'elle, c'est son vrai métier. Et oui. Du coup, c'est relou. Donc, donnez-lui de l'argent. Filez-lui de la thunasse. Nous, on s'en fout. On est tout bib. Hein. Mais filez-lui de la thunasse. Mettez-lui dans le Tipeee. Achetez le bouquin. Enfin, démerdez-vous pour qu'elle puisse manger à la fin de la journée. Hein ? Voilà. Mais nous, on se débrouille. On va faire avec ce qu'on gagne. Voilà. Voilà. Allez. Fais des gros poutous. À la prochaine. Et puis, les nouveaux épisodes. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Et soyez gentils dans les commentaires. Oui, soyez gentils. Pitié. Pitié. C'est moi qui les modère derrière. Hein, je vous dis.